Seigneur Dieu Tout-Puissant, brise dans ma vie, dans la vie de Daniel, dans nos vies, dans nos ministères, tous les contrats d'amitié signés par Satan, tous les contrats d'amitié signés par le monde occulte, tous les contrats signés par le royaume des ténèbres, je les brise au nom de Jésus. Les contrats de détournement de destinée, le contrat de détournement de destinée, le contrat de changement de destinée, les contrats pour inverser les destinées, je les brise aujourd'hui au nom de Jésus. Tous les contrats signés par nos parents, par nos ancêtres, par les sorciers et par les agents sataniques autour de nous, les contrats d'amitié néfaste, les contrats maléfiques qu'ils ont établis en cette année, les alliances, je les détruis, je les supprime, je les casse au nom de Jésus. Les rendez-vous qu'ils ont pris pour nous, les rendez-vous, les mauvaises amitiés, des détournements, des limitations de destinée, je refuse au nom de Jésus. Ce que Dieu a prévu pour moi et ma famille, je déclare que c'est ce qui s'accomplira. Au nom de Jésus, ce que Dieu a prévu pour moi, ma femme, mes enfants, c'est ce qui s'accomplira. Les contrats d'amitié néfastes, je les brise. Les contrats de détournement, je les brise. Les contrats de piratage de destinée, je les brise au nom de Jésus. Je détruis les contrats de perte du temps. Les contrats de perte du tout, je les brise au nom de Jésus. Je brise tous les contrats de disputes, de querelles au nom de Jésus. Les contrats qui me lient à qui que ce soit, toute personne avec qui j'ai un contrat d'amitié, des faux contrats d'amitié, les connexions que Satan a établies, je les casse au nom de Jésus. Les contrats, je les brise aujourd'hui. Tous ces contrats que le monde des ténèbres a établis, ces contrats, ces relations, même ces fausses relations amoureuses à distance, nous les détruisons au nom de Jésus. Tous les pièges autour de moi, de ma famille, de mes enfants, de tout le monde, tous les pièges, nous les détruisons. Les installations, les fausses occupations, nous les détruisons au nom de Jésus. Les contrats qui consistent à envoyer des gens, à connecter les faux amis. Les contrats, nous les détruisons au nom de Jésus. Les contrats de distraction, nous les détruisons au nom de Jésus. Les contrats d'amitié, des rendez-vous, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous annulons les contrats de fausse amitié, les contrats de fausse relation, les contrats de fausse amitié, nous les détruisons au nom de Jésus. Les contrats qu'ils ont signés contre moi, nous les annulons. Les contrats de pauvreté, les contrats de distraction, nous les annulons au nom de Jésus. Tous ces contrats, nous les annulons, nous les cassons, nous les supprimons. Au nom de Jésus, tout contrat que le monde des ténèbres a établi en échange du plan de Dieu, nous les renversons au nom de Jésus. Les contrats de changement de destinée, les contrats de piratage de destinée, j'ai dit, je les déprogramme au nom de Jésus. Les contrats maléfiques, les contrats, les changements de destinée, tout ce que mes parents ont fait, tout ce que ma famille a établi, je les déprogramme au nom de Jésus. Les contrats maléfiques, oh oui Seigneur, que ces contrats soient supprimés au nom de Jésus. Tous les contrats de non-accomplissement, je les détruis aujourd'hui. Les contrats par lesquels l'ennemi nous a introduits dans des histoires, les contrats anti-destinés, je les supprime au nom de Jésus. Tous les contrats venant de la sorcellerie familiale, oh oui Seigneur, les contrats, je les détruis au nom de Jésus. Les contrats et les mauvaises relations, les connexions sataniquement établies par le monde des ténèbres, je les renverse au nom de Jésus. Tous les contrats de non-accomplissement, les contrats de distraction, les contrats de manipulation, je les supprime au nom de Jésus. Oh oui Seigneur, nous détruisons les connexions sataniques, nous détruisons les rendez-vous sataniques au nom puissant de Jésus. Nous les détruisons,
les contrats maléfiques, les contrats de changement de destinée. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous les détruisons, les contrats, oh oui Seigneur, les contrats établis en cette année, les alliances établies en cette année, les contrats établis en cette année, nous les détruisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les contrats au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, les contrats de mort, les contrats de mort, le contrat de mort, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'annule les contrats, au nom puissant de Jésus, les contrats du monde des ténèbres, les contrats, les contrats, les contrats, les contrats, les contrats, les alliances, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, les contrats, les contrats, les contrats, je les détruis au nom de Jésus. Tous les contrats du monde des ténèbres, je les détruis au nom puissant de Jésus. Tous les contrats et les pièges, tous les contrats et les pièges, je les détruis. S'il y a un contrat qui a été signé dans ma famille, en mon nom, les contrats de mort, je les annule et je les désactive. S'il y a un contrat qui a été signé en mon nom, un contrat qui a été signé sur mes enfants, dans le monde occulte, les contrats du royaume des ténèbres, je les détruis, tous les contrats qui pèsent sur ma vie, tout contrat de mort, tout contrat, même les fausses amitiés sous forme de contrat, 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 nous les supprimons, nous les cassons, nous les démolissons, nous les renversons, les fausses amitiés sous forme de contrat, tous les contrats de pauvreté, de discorde, de mauvaises relations, nous les détruisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'annule maintenant, je renverse les contrats, je renverse les contrats, je renverse tous les contrats. Oh oui Seigneur, tous les contrats de faux emplois, de faux travail, je les démolis les contrats. Au nom de Jésus, je les détruis, les pièges, les contrats, les fausses amitiés. Oh oui Seigneur, je les détruis au nom de Jésus, je les détruis, que tous les contrats de distraction, tous les contrats maléfiques, je les démolis, oh oui Seigneur, les contrats du monde des ténèbres soient démolis. Oui, Seigneur, les contrats, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les détruisons, je les détruis, j'annule les contrats du monde des ténèbres, les contrats. Oh oui, Seigneur, dans les temps à venir, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les temps à venir, tout ce que le monde des ténèbres a programmé, nous annulons. Nous annulons tous les changements sataniques opérés dans notre vie. Tous les changements que le monde des ténèbres a opérés. Tous les changements et les contrats. Oh oui Seigneur, tous les changements diaboliques, nous les détruisons. Tout changement, les contrats. Oh oui Seigneur, les contrats et les autorisations. Les contrats et les autorisations. Les contrats et les autorisations. Nous les annulons. Nous les annulons, nous les cassons, nous les supprimons. Les contrats sataniques, les contrats sortants, les contrats de sorcellerie, les contrats du monde des ténèbres. Oh oui Seigneur, je les annule au nom de Jésus. Les contrats établis par la sorcellerie familiale. Les contrats des changements de destinée, des changements de vie, des changements diaboliques. Nous les détruisons. Nous annulons les contrats. Nous les supprimons, nous les cassons, nous les détruisons. Nous détruisons maintenant les contrats et les barrières. Les contrats et les barrières, les contrats et les barrières, les contrats et les barrières, les contrats et les barrières. Nous annulons au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous annulons les contrats au nom puissant de Jésus. Nous annulons les contrats et les alliances, les pactes et les décrets, les contrats de sorcellerie familiale. Nous les détruisons, nous les détruisons, nous les détruisons, nous les détruisons. Je détruis tout ce qui est contrat, tous les contrats,
Oh oui, Seigneur, par le sang de Jésus, j'exige maintenant la destruction des contrats de mort, des dates de mort, des circonstances de mort, des dates, des contrats, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui a une fois douté de l'amour de Dieu pour lui, ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Parce que le Seigneur, parfois il est triste de voir que même nous, ses élus, nous doutons de l'amour de Dieu pour nous. Nous lui posons même des questions choquantes. Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Seigneur, est-ce que tu entends mes prières? Je sais que tu as déjà dit ça au Seigneur. Tu doutes de l'amour d'un Dieu omnipotent, omniscient. Homme-Dieu omnipotent, omniprésent. Un Dieu qui est en tout lieu. Et tu lui poses la question de savoir s'il t'entend. Mais la raison pour laquelle vous n'entrez pas dans votre destinée, comme le Saint-Esprit me l'a dit aujourd'hui, c'est parce que vous êtes distrait. Des élus de Dieu distraits. Parmi les gens qui viennent là, il y a des gens qui sont possédés. Il y a des gens qui sont envoyés pas par Dieu, mais par le diable. Leur but, c'est de faire en sorte que vous ne vous concentrez jamais. Leur but, c'est de faire en sorte que vous n'y arrivez jamais. Et comment le diable fait ça? Il lance un vent maléfique. Et quand dans le monde des ténèbres, ce vent maléfique est lancé, il se manifeste sur terre sous forme de disputes, de confusion et autres. Alors, dès lors que ce vent maléfique t'a ciblé, tu expérimentes les disputes, les railleries, les palabres autour de toi, alors qu'en réalité, c'est un vent satanique qui est en train de souffler contre toi. Bien-aimé, voici ce vent-là qui est en train de voler aux gens leur destinée. Si je me trompe, dites-le moi. C'est à cause de ce vent, raillerie, dispute, querelle, palabre, on dit, tu as dit, nous a dit, vous a dit, qui n'a pas dit, je ne sais quoi. C'est à cause de ça que les gens sont en retard. Parfois, tu es là, tu as des problèmes et que le diable t'envoie des gens qui ne sont pas prêts à sortir de leurs problèmes, faisant semblant de venir chercher des solutions chez toi. Et tu bouffes ton temps, il te bouffe l'énergie et il te retarde. Le seul but, c'est de faire en sorte que tu n'y arrives pas. S'ils étaient réellement sérieux, ils allaient être sérieux. Ils se promènent partout. Tu vas dire à Dieu, tout vent maléfique, toute avalanche de problèmes que le monde des ténèbres a déclenché pour seul but de t'empêcher d'entrer dans tes vraies destinées, de te tenir occupé, que ce vent maléfique se taise aujourd'hui, alléluia, que ce vent, que cette avalanche de problèmes s'arrête au nom de Jésus, que ce vent, que cette tempête qu'ils nous ont lancée depuis le monde des ténèbres se taise. Les tempêtes, bien aimé, il faut prier, tempêtes de raillerie, les tempêtes de disputes, les tempêtes de querelles, les tempêtes de diversions, les tempêtes de distractions. Que cette tempête qui nous ont lancée s'arrête aujourd'hui. Que cette tempête que le monde des ténèbres a lancée, cette tempête que le royaume des ténèbres a lancée, que cette tempête qu'ils nous ont lancée depuis le monde des ténèbres, tempête de maladie, tempête de malheur, tempête de confusion, tempête de mésentente, tempête de mauvaises choses, s'arrête, s'arrête. Oh oui, je te l'ordonne. Au nom de Jésus, arrête-toi. Tempête maléfique, au nom de Jésus, arrête-toi. Tempête, au nom de Jésus, tu t'arrêtes au nom de Jésus. Le tourbillon de malheur, le tourbillon de disputes, le tourbillon de querelles, le tourbillon de souffrance, le tourbillon, le tourbillon, le tourbillon de distractions s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Sois repoussé, que cette tempête de confusion, de querelles, d'histoire, de provocation s'arrête au nom de Jésus. J'arrête la tempête. J'arrête, 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 j'arrête toute tempête de problèmes, de distractions, tout tourbillon qu'ils m'ont lancé depuis le monde des ténèbres pour m'emporter. Oh oui Seigneur, le tourbillon soit dispersé. Le tourbillon soit dispersé. J'arrête ce tourbillon. Je l'arrête au nom de Jésus. 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 Toute tempête, toute tempête, toute tempête,
sous forme de problème. Oh oui, dans nos vies, toute tempête, toute tempête, toute tempête que le monde des ténèbres a déclenché exactement au bord de mes percées, au bord de ma visitation divine. Toute tempête qu'ils ont déclenché au bord de ma percée, au bord de ma visitation divine pour me tenir occupé. La tempête des tentations dans la vie des enfants de Dieu. La tempête des tentations. La tempête des tentations. La tempête de querelles. La tempête des distractions. La tempête de commérage. La tempête de provocation. La tempête de salissement. Nous les détruisons au nom de Jésus. Que cette tempête retourne à l'envoyeur. Cette tempête, cette tempête, cette tempête, cette tempête de tentations, de provocations, d'attaques, de manipulations s'arrête. Que cette tempête s'arrête. Toute tempête qui a été déclenchée contre moi, depuis le monde des ténèbres, depuis le royaume des ténèbres. Oh oui Seigneur, que cette tempête s'arrête, au nom puissant de Jésus. Que cette tempête de problèmes, de confusions, de disputes, de querelles, cette tempête de mésententes s'arrête aujourd'hui. J'arrête les tempêtes, les problèmes, les tempêtes, les disputes, les railleries. J'arrête au nom de Jésus. Toute tempête que mes ennemis ont déclenchée, toute tempête de malheur, toute tempête de difficulté, toute tempête de distraction, toute tempête de diversion, ça t'arrête, toi t'arrête. J'arrête, 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 j'arrête ma tempête, toute tempête, les problèmes, tempête de problèmes financiers, tempête de problèmes financiers, avalanche de problèmes financiers. J'arrête, 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 j'arrête. J'arrête, 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 j'arrête. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas réduire en silence par le tonnerre, par le feu et par la foudre toute langue qui maudit tes jours, toute langue qui maudit tes journées, toute langue qui maudit tes destinées, toute langue qui maudit tes bénédictions et les rend inefficaces. Tu vas demander à l'épée de l'Éternel d'arracher toute langue qui maudit ton eau à boire, qui maudit ta nourriture, toute langue qui maudit tout ce que tu dois toucher dans la vie. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Prions. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ton feu, par ton épée, que toute langue qui maudit ma vie, qui maudit mon corps en disant que tout le monde doit me rejeter dans la vie, toute langue qui maudit mon corps, qui maudit ma vie, toute langue satanique, toute langue qui maudit mon corps, ma personne, mon image, ma nourriture, mon eau, mes biens, que cette langue perde son pouvoir au nom de Jésus. Toute langue qui maudit ma vie, toute langue qui a déjà maudit ma vie, toute langue qui me maudit, qui maudit mes années, qui maudit mes mois, que cette langue perde son pouvoir. Je la condamne à être coupée. Je la condamne à ne plus parler. Je la condamne. Je la condamne. Je condamne toute langue qui maudit mon mariage. Toute langue qui maudit tout ce que je vais faire. Que cette langue soit neutralisée. Que cette langue soit crucifiée. Que cette langue soit neutralisée. Toute langue qui salit mon image. Toute langue qui m'attaque. Toute langue qui me combat. Toute langue qui me combat violemment. Toute langue qui m'oppresse. Toute langue qui me dénigre. Toute langue qui me salit. Soit coupée, soit réduite au silence. Oh oui Seigneur, que toute mauvaise langue soit arrachée. Soit arrachée. Oh Seigneur, toute langue méchante qui parle contre moi soit réduite au silence. Par le tonnerre, par le feu et la foudre, par le tonnerre, par le feu et la foudre, que cette langue soit réduite en silence. Toute langue qui maudit mon ministère, mes affaires, mes réalisations, mes écrits, mes réalisations, mes projets, toute langue qui me maudit, qui me combat, soit réduite en silence au nom de Jésus. Par le tonnerre, toute langue qui maudit mon nom à boire, soit réduite en silence, soit foudroyée, soit paralysée, soit broyée, soit arrachée, que toute langue méchante, toute langue méchante, toute langue méchante qui combat ma vie, toute langue méchante, toute langue méchante, toute langue méchante, toute langue méchante qui combat ma vie, qui combat ma vie, soit bloquée, soit arrêtée, toute langue, toute langue, toute langue, toute langue, toute langue, soit broyée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
toute langue satanique qui combat mes destinées, toute langue qui combat ma vie, qui combat mes projets, qui combat mes affaires, qui combat mes enfants, soit réduite au silence au nom de Jésus. Que toute langue satanique qui m'harcèle, oh Seigneur, que cette langue qui m'attaque de jour comme de nuit dans les quatre coins du monde, de jour comme de nuit dans les quatre coins du monde, dans les quatre coins du monde, dans les quatre coins du monde, dans les quatre coins de mon quartier, dans les quatre coins de ma ville, toute langue qui nous combat, dans les quatre coins de l'Afrique, dans les quatre coins de l'Europe, dans les quatre coins du Canada, dans les quatre coins de l'Afrique, de mon pays, que cette langue soit réduite en silence. Soit arrachée. Je détruis les œuvres de cette langue. Je détruis les malédictions. Je détruis les accusations. Je détruis les accusations. Toute langue qui combat ma vie soit réduite au silence. Toute langue qui m'attaque, qui attaque ma vie, perd ton pouvoir. Toute langue qui récite des incantations, je brise tes pouvoirs, je brise tes paroles, je brise. Toutes les mauvaises paroles qui ont été déversées sur mes affaires. Les paroles, les malédictions, les envoûtements, les ensorcellements. Toute langue qui me combat, toute langue qui me harcèle, toute langue qui me poursuit, je détruis le pouvoir. Le pouvoir de toute langue qui maudit mes affaires, qui maudit mon travail, qui maudit mes réalisations. Ah oui, Seigneur, toute langue qui me maudit, perd ton pouvoir. Toute méchante langue qui attaque ma vie, qui attaque mes affaires, qui attaque ma vie. Oh, toute méchante langue qui fixe la date de ma mort, soit brisée au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de toute langue qui a fixé la date de ma mort. Je détruis maintenant. Que la mâchoire de son auteur soit arrachée par le tonnerre. Que la mâchoire de toute langue qui invoque la mort sur moi soit arrachée. Que la mâchoire de tout agent des ténèbres qui invoque la mort sur moi, qui invoque le malheur sur moi, que la mâchoire soit arrachée. Que la mâchoire soit fracassée par le tonnerre. Soit brisée, tombe en morceaux. Soit brisée maintenant. Que la mâchoire de tout agent des ténèbres qui chante des incantations pour convoquer mon âme, pour manipuler mon âme, pour influencer mon âme, que cette mâchoire soit arrachée au nom de Jésus. Que la mâchoire de toute langue qui attaque ma vie, toute mâchoire satanique qui maudit ma vie, que toute mâchoire satanique soit arrachée. Que toute langue qui attaque ma vie, qui attaque mes finances, qui attaque mes santé, qui attaque ma cité, qui attaque mes forces, soit broyée, soit brisée, soit fracassée. Oh oui Seigneur, que toute langue qui me combat, toute langue qui combat mes affaires, toute langue qui combat mes enfants, toute langue qui combat, toute langue qui me combat, toute langue qui combat mes finances, qui paralyse, oh oui, toute langue qui maudit ma vie. Toute langue à la base de mes malheurs, toute langue qui maudit tout ce que je fais, toute langue qui condamne mes affaires à échouer, soit broyée au nom de Jésus. Que la mâchoire de ces pouvoirs sataniques soit arrachée. Que toute mâchoire occulte qui combat ma vie, toute langue satanique, toute langue de famille soit neutralisée. Langue satanique, toute langue qui a aussi influencé négativement dans ma vie, perd ton pouvoir. Toute langue satanique, toute langue occulte, toute langue méchante qui a combattu ma vie, qui combat mes affaires, qui combat le plan de Dieu. Toute langue méchante dans les quatre coins du monde, que cette langue perde son pouvoir. Je brise toutes les paroles qui ont été dites sur moi. Toutes les paroles méchantes, toutes les malédictions méchantes, toutes les paroles, toutes les malédictions, toutes les condamnations, tous les jugements, toutes les malédictions qui ont été déversées sur moi. Je les détruis. Que la mâchoire de tout agent des ténèbres qui maudit ma vie soit arrachée. Soit arrachée. Que la mâchoire de l'enfant soit arrachée. Caterpillar de l'éternel déracine.
déracine l'homme fort, 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 écrase sa tête, déracine les sorcières, écrase leur tête, déracine les pouvoirs sataniques, écrase leur tête. Caterpillar de l'éternel, écrase, 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 tout homme fort, ennemi de mes destinées, écrase des ennemis de mes destinées, écrase, caterpillar de l'éternel, écrase, 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 et écrabouille, écrase, écrabouille les ennemis jurés de mes destinées, les ennemis jurés de mes réalisations. Les ennemis jurés, qu'ils soient écrasés, 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 qu'ils soient écrasés. Oh oui Seigneur, oh oui Seigneur, dans les minutes qui suivent, si l'homme fort ne lâche pas prise, qu'il soit écrasé, qu'il soit écrabouillé, qu'il soit écrasé, qu'il soit écrabouillé, qu'il soit écrasé, qu'il soit écrabouillé. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Le Seigneur me dit que il y a mes destinées qui ont été bloquées. Et quand Dieu parle de destinées, ce n'est pas seulement le mariage comme certains croient. Ce n'est pas seulement l'argent. Mais quand Dieu parle de destinées, c'est tout ce que tu es supposé réaliser sur terre. Et pour bloquer tes destinées, le diable va établir quelqu'un sur toi dans le monde des ténèbres. Lui, il a pour mission de te détruire, l'homme fort. Certains ont la chance d'avoir eu un visa. Certains ont la chance même d'avoir même de quoi manger. Mais pour d'autres, c'est toute leur vie entière qui est prise en otage. Toute leur vie entière. Tout. Sans exception. Et depuis longtemps, tu es sur cette terre des vivants, tu te débrouilles, mais loin de ta destinée. Je n'ai pas décidé de passer en prière ce matin. L'Esprit est venu, il m'a saisi. Tu vas dire à Dieu que l'homme fort là, qui a été établi sur ta vie, aujourd'hui là, qu'il dégage ou qu'il meure. Prions dans le nom de Jésus. Que tout homme fort, que le royaume des ténèbres, toute sorcière, tout agent du monde des ténèbres, tout prince des ténèbres, qu'ils ont établi sur ma vie pour me bloquer, pour me freiner, soit dégagé par la foudre au nom de Jésus. Que l'homme fort qui m'a bloqué mes finances, qui a bloqué mes biens, qui a bloqué mes réalisations et qui est assis dessus depuis des années, que cet homme fort soit frappé de plein fouet. Qu'il soit dégagé, l'homme fort qui vole l'amour, qui vole la paix, l'homme fort qui détruit les relations, l'homme fort qui brise les mariages, l'homme fort anti-mariage, soit broyé. Que l'homme fort anti-mariage soit broyé, l'homme fort ennemi du mariage dans ma vie, soit broyé au nom de Jésus. Tout homme fort qui est assis sur ma vie, tout homme fort qui règne sur ma vie, cet homme fort-là, qui ne veut voir personne régner, qui ne veut voir personne s'élever, soit décapité au nom de Jésus. L'homme fort de mes finances, l'homme fort de mon argent, l'homme fort de mes finances, l'homme fort de mon argent, l'homme fort, l'homme fort, l'homme fort, l'homme fort, l'homme fort, l'homme fort, qui vole, qui pouille, qui pille, qui me dépouille. Oh oui Seigneur, que cet homme fort soit écrasé au nom de Jésus. Tout homme fort qui règne sur moi, toute femme forte qui règne sur moi, tout homme fort qui règne sur moi, tout homme fort qui contrôle ma vie, qui gère tous les départements de ma vie, soit déraciné par le tonnerre. Tout homme fort qui a été installé, qui a été établi, qui a été assigné à ma vie, l'homme fort soit renversé. L'homme fort, la femme forte, tout sorcier, tout pouvoir de la sorcellerie familiale, qui a été établi sur mes finances, établi sur ma vie, établi sur mon mariage, établi sur ma vie conjugale, soit broyé. Que cet homme fort soit broyé et écrabouillé. Toute femme forte, tout ennemi de ma vie, ennemi juré, soit renversé au nom puissant de Jésus. Que l'homme fort, l'homme fort, l'homme fort, soit renversé
Tout homme fort qui a été établi. Que l'homme fort soit renversé. L'homme fort soit bombardé, soit explosé, soit foudroyé. Tout homme fort tenace, qui gère la famille, qui bloque le mariage dans la vie des enfants de Dieu, qui bloque le bonheur, qui bloque le salut. L'homme fort qui bloque le salut, l'homme fort qui veut emmener tout le monde en enfer, soit renversé, soit renversé. L'homme fort de mon ministère, l'homme fort qui bloque mon ministère, qui bloque mes réalisations, qui bloque mes publications, l'homme fort, l'ennemi de mes publications, l'ennemi, soit renversé. Que l'homme fort soit renversé. Que l'homme fort soit pulvérisé, soit renversé. Que l'homme fort qui a été établi sur mes finances, qui a été établi sur mon travail, qui a été établi sur mon ministère, qui a été établi sur mon chemin, l'homme fort établi sur mon champ, soit renversé, soit découpé, soit broyé. Tout homme fort qui vient toujours dans mes rêves, soit découpé. Que l'homme fort, la femme forte, l'ennemi juré de ma destinée, qui combat tout ce que je dois avoir, l'homme fort, soit découpé. Que l'homme fort soit découpé, soit dépecé, soit écrasé, soit écrabouillé. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien aimé, tu vas encore faire un autre genre de combat. C'est pas tous vos hommes forts qui sont en vie. Il y en a qui sont morts. Les gens qui sont sur Facebook, là, je vais les couper parce qu'ils ne sont pas sages. C'est pas tous les hommes forts qui sont en vie. Il y a des hommes forts qui sont décédés. Amen. Mais avant de partir, ils ont causé beaucoup de dégâts. Vrai ou faux? Avant de partir, ils ont causé beaucoup de dégâts. Et lorsque Dieu nous les révèle, bien aimé, c'est pas forcément parce qu'il faut chasser un esprit. Mais parfois, c'est parce que il y a un nettoyage à faire, vrai ou faux. Aujourd'hui, nos parents ne sont plus là. Nos grands-parents ne sont plus là. Mais lorsque le Seigneur, dans son amour, nous les révèle, c'est pas parce que il y a un esprit forcément à chasser. Frère, beaucoup de gens ne comprennent pas leurs rêves. J'ai été obligé d'écrire un livre sur ça. Le livre est là, non? Vous voyez ce que j'ai écrit, non? Beaucoup de gens ne comprennent pas leurs rêves. Il y a des rêves qui vous montrent que vous voyez des parents décédés, des tantes décédées, des gens décédés. Ces hommes forts ne sont plus là. Mais ils ont semé trop de dégâts. Ils ont vendu les gens. Ils ont signé des contrats. Ils ont fait des alliances. Ils ont signé des pactes et autres. Donc, ce sont les dégâts qu'ils ont causés que Dieu veut que vous nettoyiez. Et il y a des hommes forts qui ont déclaré des paroles dans certaines familles. Et ces paroles continuent de gérer et de diriger des vies. Je ne sais pas qui est l'homme fort qui a régné sur ta famille. Je ne sais pas qui est la femme qui a régné sur ta famille. Mais tu vas faire cette prière qui vient là. Tu vas détruire les conséquences des paroles de l'homme fort. Les conséquences des choses que les gens qui sont décédés ont semé dans ta vie, ont déversé dans ta vie, ont projeté dans ta vie. Tu vas détruire tout. Amen. Prions dans le nom de Jésus. Oui Seigneur, nous détruisons les contrats que nos parents ont signés avant de mourir. Nous détruisons les pactes, les engagements et les dettes que nos ancêtres ont laissés.
Les malédictions qui sont entrées dans nos vies à cause de ces choses, nous les détruisons. Toute personne qui ne vit plus et dont je souffre des conséquences de ses actions, je détruis le pouvoir des actions de mes ennemis, des malédictions laissées par les personnes décédées, les conséquences des paroles qui ont été laissées par des morts, par des gens, par des choses. Je détruis les conséquences de leurs œuvres. Je détruis tout ce qu'ils ont semé dans notre vie. Toute personne qui est décédée en proférant des malédictions, en maudissant ma destinée, je brise ta malédiction par le sang de Jésus. Alléluia. Tout ennemi de ma vie, toute personne en colère avec moi, qui a déclaré des malédictions, qui m'a maudit, qui m'a gardé la rancune jusqu'à sa mort, je brise l'effet de tes rancunes. Je détruis les paroles qui ont été prononcées contre moi par un individu qui a déclaré que de la même maladie dont il est mort, je mourrai aussi de cette maladie. Je déclare que cette maladie est révoquée par le sang de Jésus. Tout ennemi de ma famille, tout ennemi de ma vie qui a déclaré que de la même façon dont il est mort, c'est ainsi aussi que je mourrai, c'est ainsi aussi que mes enfants mourront. Je brise ces paroles. Je détruis les condamnations qui ont été prononcées sur moi par les ennemis de mon père. Les condamnations prononcées par les hommes forts, les malédictions prononcées par les hommes forts, les déclarations prononcées par les hommes forts, je les brise, je les casse, je les annule, je les supprime, je les brise, je les casse, je les annule. Toute langue qui s'est élevée contre mon jugement, je brise ton pouvoir. Je détruis les paroles des hommes forts. Je détruis les paroles de malédiction, les paroles de mon accomplissement, les paroles de retard, les malédictions, les blocages, les choses qui ont été semées dans ma vie par mes hommes forts, par mes ennemis, par des femmes, vivants ou morts, vivants ou morts, vivants ou morts, vivantes ou mortes. Je brise, je casse, j'annule par le sang de Jésus. Je détruis. Même s'il y a eu des contrats qui ont été signés pour me vendre, même s'il y a eu des engagements, des procurations, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons les engagements. Même si c'est un engagement verbal laissé par mes parents au bord de l'eau, engagement par sacrifice, engagement par alliance, je détruis, je déprogramme, j'annule, je casse, je brise, je coupe l'alliance, je supprime. Je supprime les alliances, les pactes, les décrets, les alliances, les pactes, les décrets, les contrats, tout ce qu'ils ont laissé, nous détruisons. Nous détruisons les paroles que nos parents ont prononcées au bord des rivières. Les paroles, les vœux, les serments qui ont été faits au bord des rivières, au bord des arbres, en présence des crocodiles, en présence des animaux, en présence des poissons sacrés, nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons toutes les paroles, les rituels, les offrandes qu'ils ont données, nous les détruisons. Tout rituel qui a ouvert la porte aux esprits des eaux, tout rituel qui a ouvert la porte aux esprits des eaux, nous détruisons tout bien que nos parents sont allés prendre. Même s'ils nous ont fait prendre ces bains quand on était enfant, tout bain qu'ils nous ont fait prendre, tout bain maléfique, que nos parents ont pris, tout bain maléfique que nos parents ont pris alors qu'on était dans le ventre, alors qu'on était né, tout bain maléfique au bord de l'eau, tout bain de consécration, nous détruisons, les bains de consécration, les bains d'initiation, les bains maléfiques que nos parents ont pris, nous les détruisons. Amen, 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 amen. Alléluia. Tu vas reprendre cette prière pour les bains sataniques. Nos parents adoraient l'eau, les fétiches et autres. Ils partaient chez les féticheurs. Malades, ils vont aller voir un nganga et on va donner des trucs pour aller se laver. Combien de parents ont pris ces bains? Bains maléfiques. Et il y en a même qui ont été lavés avec des médicaments donnés par des féticheurs, on ne sait même pas quelle incantation qui a été santé dessus. Bain maléfique. Et c'est dans ça que tu es né. C'est dans ça que tu es né. Dans une famille idolâtre qui consacre ses bébés, qui consacre ses enfants, qui consacre et autres. Tu vas détruire les œuvres du monde des ténèbres. Tu vas détruire même tout bain maléfique de consécration, les bains d'initiation,
les bains d'adoration, les bains de vénération, même les bains sataniques de rappel. Un bain maléfique accompagné de paroles incantatoires. Nous détruisons tous les bains maléfiques accompagnés de paroles et de rituels incantatoires. Nous les détruisons. Tout bain satanique accompagné d'invocation. Prions dans le nom de Jésus. Les bains d'invocation, les bains d'incantation, les bains d'alliance, nous les détruisons. Tout bain satanique qui a été pris par un membre de nos familles. Oh oui, Seigneur, en pleine lune. Les bains qui ont été pris en pleine lune. Les sacrifices de pleine lune, les bains de pleine lune, les bains de lever du soleil, les bains maintenant qui ont été pris au crépuscule, nous les détruisons. Je détruis les bains de consécration, les bains d'initiation, les bains qui ont été pris, les rituels qui ont été faits au crépuscule, au coucher du soleil, au lever du soleil, en plein midi, les bains sataniques, tout bain satanique et les rituels de feu. Les bains sataniques et les rituels de feu, et les rituels de feu, les rituels de feu, les rituels d'initiation, les rituels de feu, les rituels d'initiation. Je détruis les bains, je détruis tout bain, 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 je détruis, j'annule, je détruis la puissance de ces bains maléfiques. Les bains de force protection, les bains, les rituels, les incantations, tout bain accompagné de paroles incantatoires, tout bain accompagné de paroles d'invocation. Nous détruisons les bains, nous détruisons les bains. Oh oui Seigneur, tout bain satanique, tout bain de sang, tout bain de sang que mes ennemis ont pris pour avoir la force soit nulle et sans effet. Tout bain de sang, tout bain de sang, tout bain de sang qui a été pris par mes ennemis. Tout individu ayant bu du sang d'animal ou humain, tout bain satanique, je détruis le pouvoir. Tout ce avec quoi mes ennemis se sont lavés, nous détruisons. Nous détruisons aussi les bains de nos parents. Tout bain que nos parents payent, les bains sataniques, les bains, les bains, les bains, les bains diaboliques que nos parents ont payés alors que nous étions dans leur ventre, dans les entrailles, nous détruisons les bains. Nous détruisons les médicaments, nous détruisons les invocations, nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons tout pouvoir, les alliances avec les esprits auxquels nous avons été confiés. Nous détruisons les bains de consécration, nous détruisons les bains d'initiation, tout bain maintenant, tout bain d'initiation, tout bain de faux baptême. Nous détruisons les faux baptêmes, 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 tout bain satanique, tout bain occulte, tout bain. Tout bain, tout bain, tout bain rituel, nous détruisons. Tout bain rituel, nous détruisons. Tout sacrifice rituel, nous détruisons. Nous détruisons les bains, les sacrifices par lesquels nous avions été vendus, nous avions été consacrés. Les bains, les sacrifices, les alliances, les bains d'alliance, nous les détruisons. Nous détruisons les bains, nous détruisons les bains, nous détruisons les bains, nous détruisons les bains, nous détruisons les bains de consécration. Les bains d'initiation, les bains de vénération, les bains d'invocation, nous détruisons. Les bains d'invocation, les bains d'alliance, les bains de consécration, les bains, les bains, les bains, les fêtes, les bains, les fêtes dédicaces, les bains de dédicaces, nous détruisons. Nous détruisons les bains, les sacrifices de dédicaces, les sacrifices de dédicaces, les bains, les sacrifices d'alliance, de dédicaces, de consécration. Nous détruisons les bains et les nourritures qui ont été préparées, et les nourritures offertes aux alliances, aux ancêtres, les nourritures offertes aux génies, les nourritures offertes, 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 tout bain de transfert diabolique, tout bain d'initiation, tout bain de consécration, tout bain d'initiation, tout bain d'investiture. Nous détruisons. Nous détruisons les rituels d'investiture. Les bains, les rituels, les bains, les rituels d'investiture. Nous les détruisons. Nous détruisons les bains. Les bains et les rituels. Les bains et les rituels des investitures. Nous détruisons les bains et les rituels d'investiture. Au nom de Jésus. Nous annulons les bains et les rituels d'investiture. Au nom de Jésus, nous annulons les bains, nous annulons les bains, nous annulons les bains, nous annulons les bains, nous annulons les rituels, nous annulons les bains, nous annulons les restituels, nous annulons les paroles, toutes les paroles proférées par nos ancêtres, les paroles proférées par mes ancêtres, au bord des rivières, au bord des fleuves, au bord des rivières. Oh oui Seigneur, nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons les rituels de consécration, les rituels d'envoûtement, nous détruisons. Tout bain satanique, tout bain satanique, tout bain satanique,
tout bain satanique, tout bain satanique, tout bain satanique, tout bain satanique, au nom de Jésus. Amen. Tu vas désactiver. Amen, amen. Tu vas supprimer et tu vas désactiver les malédictions gratuites. Combien de parents dans leur ignorance vont se laver avec leurs enfants? Bébé, tu découvres déjà la nudité de ta mère ou de ton père. Jeune, tu découvres déjà la nudité de tes parents ou des personnes âgées. Alors que cette nudité, n'importe qui ne doit la découvrir. Malédiction gratuite. Tu as ramassé ça. Depuis là, tu n'es pas chanceux. La poisse te suit parce que ta mère, c'est déjà, non, elle est bébé. Elle s'habillait devant toi. Elle s'habille. Les parents s'habillent devant les enfants. Oh, c'est un enfant, il n'est pas conscient. Ce n'est pas parce qu'il est conscient que Dieu dit que c'est néfaste. C'est parce qu'au contact des yeux avec ça, ça détruit la destinée. Tu vas dire à Dieu d'enlever le voile. Le voile de la malédiction gratuite. Tu vas détruire ce voile. Prions dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur. Si ma destinée a été voilée par le fait de découvrir la nudité d'un membre de ma famille. Si ma destinée, si ma vie a été voilée par le fait de voir, de découvrir la nudité d'une personne dont je ne devrais pas voir la nudité. Je détruis au nom de Jésus les malédictions qui sont entrées dans ma vie. La nudité, la malédiction liée à la nudité d'un parent, d'un grand-parent, d'un ancêtre, d'une personne. Toute malédiction qui est entrée dans ma vie en ce jour-là, je la détruis au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi maintenant de tout voile qui a été placé sur ma vie, sur mon étoile, sur ma destinée, à cause de la nudité d'un parent avec qui j'aurais vécu, à cause de la nudité d'une sœur, d'une cousine, de n'importe qui dans ma famille. Je détruis cela au nom de Jésus. Nous détruisons maintenant toute malédiction, toute malédiction, toute malédiction qui est entrée dans la vie de quelqu'un qui a l'habitude de voir ses sœurs s'habiller sans se cacher. Je détruis la malédiction. La malédiction de nudité familiale, nous détruisons toute malédiction qui est entrée par le fait de voir la nudité de vos propres sœurs, de vos propres frères, qui s'habillent sans se cacher, sans se couvrir. Toute malédiction qui est entrée dans ma vie, par le fait de voir la nudité d'une amie, d'un ami, d'une personne, nous détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons la malédiction qui est entrée dans la vie d'une personne ayant vu la nudité d'un partenaire, d'un ami avec qui elle n'est pas mariée. Nous détruisons la malédiction. Nous détruisons le voile. Nous détruisons la malédiction. Nous détruisons la malédiction de la nudité. La malédiction de la pornographie dans la vie des enfants de Dieu. Nous brisons la malédiction que le diable a introduite dans la vie des gens en leur faisant voir de la pornographie. La malédiction de nudité. La malédiction de nudité. Dans nos vies, dans la vie des enfants de Dieu, je brise, je détruis le voile dans la vie de la sœur. Au nom de Jésus, je détruis la nudité. Je détruis toute malédiction qui est entrée dans ma vie par le fait qu'une nudité me soit exposée par accident ou volontairement. Par accident ou volontairement. Je détruis toute malédiction dans la vie de ceux qui, de manière volontaire, ont décidé de voir la nudité d'une personne avec qui elles ne sont pas mariées. Je détruis cette malédiction. Je détruis la malédiction de la nudité. 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 Que le voile soit détruit. 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 Nous détruisons la malédiction de la nudité. Nous détruisons la malédiction de la nudité. Nous détruisons la malédiction de la nudité. Nous détruisons la malédiction de la pornographie. Nous brisons au nom de Jésus. Nous détruisons la malédiction qui a été placée sur les enfants de Dieu. La malédiction de la nudité. La malédiction de la malédiction. Nous détruisons la malédiction. La malédiction de l'adultère familial. La malédiction de l'adultère, le voile de l'adultère, la malédiction, la malédiction, la malédiction, la malédiction, au nom puissant de Jésus. Nous détruisons la malédiction, nous détruisons la malédiction, les envoûtements. Oh oui Seigneur, je détruis la malédiction de la nudité venant des cousines, venant des cousins, venant des amis. Nous détruisons la malédiction. Nous détruisons la malédiction. Nous détruisons la malédiction des pensées négatives, des pensées volontaires, des pensées à caractère sexuel. La malédiction des nudités, la malédiction de l'imagination. Oui, nous détruisons au nom de Jésus.
Je détruis la malédiction. Je détruis les envoûtements. Je détruis les envoûtements, les alliances, les malédictions, les connexions, les envoûtements. Nous détruisons au nom de Jésus. Je détruis les mauvaises relations. Je détruis les mauvaises relations. Je détruis les malédictions. Je détruis les malédictions. Je détruis les malédictions qui viennent des relations inspirées par le diable. Les malédictions qui viennent des relations impudiques inspirées par le diable. Les malédictions venant des relations impudiques inspirées par le monde des ténèbres. Les malédictions venant des relations impudiques, venant des relations impudiques inspirées par le diable. Nous brisons la malédiction. Nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons la malédiction. Au nom puissant de Jésus. Nous détruisons la malédiction. Et oh oui Seigneur, que la malédiction soit révoquée. Que la malédiction soit révoquée. Que la malédiction soit révoquée. Nous brisons la malédiction. Nous brisons la malédiction de la nudité. La malédiction de la nudité. La malédiction de l'adultère. Des crimes de la famille. Je brise, je brise, je brise, je brise par le sang de Jésus. La malédiction des crimes sexuels de la famille. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous brisons maintenant les malédictions des diffamations, les malédictions des crimes passionnels. Nous détruisons la malédiction. La malédiction des adultères de la famille, la malédiction des parents, la malédiction familiale. Nous brisons, nous détruisons, nous brisons, nous détruisons, nous détruisons la malédiction. Nous brisons les barrières. Je brise les malédictions au nom puissant de Jésus. Je brise les malédictions. Je brise et brise et brise et brise et brise et brise les malédictions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je brise la malédiction, 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 les malédictions liées aux actions de mes parents, les malédictions liées aux actions de mes parents, je brise au nom de Jésus. Toute malédiction qui vient de mes ancêtres, blocage et malédiction, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés. Je brise et j'annule, je brise et j'annule, je brise et j'annule, je brise et j'annule, je brise et j'annule. Les malédictions qui sont liées à mes ancêtres, je brise, 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 j'annule, je brise, j'annule, je brise, j'annule, je brise, j'annule, je brise, j'annule. J'envoie le feu pour détruire, pour détruire, pour détruire, pour détruire. Toute alliance, malédiction et les contrats, tout contrat, malédiction. Je brise la malédiction. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Les malédictions qui sont attachées à ma vie. Les malédictions qui sont entrées dans ma vie. Les malédictions de l'homme fort. Je brise au nom puissant de Jésus. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Je brise les malédictions de l'homme fort. Je brise la malédiction de mes enfants. Je brise, je brise, je brise, je brise les paroles, les contrats, les alliances, les décrets, les choses. Je les brise au nom de Jésus. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Tout ce qu'ils ont fait pour détourner mes destinées. Tout ce qu'ils ont fait pour bloquer mes destinées. Je brise, j'annule, je casse, je supprime. Je brise, j'annule, je casse, je supprime. Je brise, j'annule, je casse au nom de Jésus. Toute malédiction, toute malédiction, toute malédiction, toute malédiction. Je brise les contrats, je brise les contrats. Je détruis l'âme de Dieu. Je détruis, je détruis, je détruis, je détruis. Toutes les paroles qui ont beaucoup influencé ma vie soient brisées. Les paroles négatives, les malédictions et les injures. Je les brise, je détruis, je les brise, je les détruis, je détruis. Les rituels, je brise, je casse, je retourne à l'envoyeur. Je détruis les bains sataniques. Je détruis les rituels, les bains, les bains, les bains, les envoûtements, la nudité. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis maintenant. Je détruis tout rituel qui a été fait avec une autre qui a servi à mes la vie. Je détruis le pouvoir de la nudité. Je détruis le voile. Je détruis le pouvoir. Je détruis le pouvoir de toute cette nudité que j'ai découvert dans ma vie. J'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit le voile, j'ai détruit le masque, j'ai détruit le voile qui a été placé sur ma vie. Le voile qui a été placé sur ma vie lorsque j'ai vu la nudité que je ne devrais pas voir. J'ai détruit le pouvoir de la nudité sur ma vie. Je brise, 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 je brise. Les conséquences des rêves impurs, 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 les conséquences des rêves impurs. Je les détruis. Je détruis les conséquences des rêves impurs. Tout rêve impur, d'où ma vie a été souillée.
Je détruis les conséquences des rêves sexuels. Je détruis les conséquences des rêves d'excréments. Je les détruis, les rêves d'excréments. Qui montre que l'ennemi a introduit le rejet dans ma vie. Les rêves de rejet, les rêves d'excréments, les rêves de souillure, les rêves de pollution. Je détruis, je détruis, je détruis les conséquences des rêves impurs. Je brise les rêves d'excréments, les rêves de souillure. Oh oui Seigneur, je détruis les conséquences des rêves d'ordures, des rêves de saleté, des rêves dans lesquels les enfants de Dieu marchaient dans les ordures, pieds nus, corps nus, dénudés. Nous détruisons les conséquences des rêves impurs. J'ai détruit au nom de Jésus les conséquences des rêves impurs. J'ai détruit tout rêve de nudité. Que tout ce qui m'a été volé soit ramené. Toute couverture divine qui m'a été volée soit ramenée. J'ai détruit le pouvoir des rêves d'impurité. Des rêves d'impurité. J'ai détruit au nom de Jésus. J'ai détruit les conséquences des rêves dans les salles de toilettes. Des rêves impurs. Des rêves sales. J'ai détruit. Je désactive maintenant. Je désactive les malédictions qui viennent de mes ancêtres. Je désactive les malédictions. Je désactive les problèmes. Je déprogramme. Tout rêve impur, tout rêve de souillure, tout rêve d'impudicité, tout rêve d'adultère. J'ai détruit tout rêve d'adultère indirect. Tout rêve d'impudicité, tout rêve dans lequel le diable vient coucher avec les enfants de Dieu pour les accuser d'avoir des relations hors mariage. J'ai détruit ce rêve. Tout rêve dans lequel l'ennemi vient coucher avec les enfants de Dieu pour les accuser d'avoir des rapports hors mariage. Nous détruisons. Tous les rêves érotiques, nous les détruisons. Nous déprogrammons les mauvais rêves. Nous annulons leurs causes, leurs raisons. Nous détruisons les rêves d'impudicité. Les rêves impurs, les rêves, les conséquences des rêves de souillure, des rêves de vol. Nous détruisons les mauvais rêves. Nous détruisons les conséquences des rêves oubliés. Tout rêve d'adultère, tout rêve de fornication, tout rêve d'endettement. Je les détruis. Je détruis tout rêve d'endettement, tout rêve d'alliance, tout rêve de pacte. Oh oui Seigneur, les pactes que j'ai signés, tout rêve de signature, tout rêve d'inceste, tout rêve de signature. Nous détruisons les rêves, nous déprogrammons tout rêve de contrat satanique. Nous détruisons tout rêve d'accord maléfique, tout rêve satanique. Nous brisons au nom de Jésus. Je détruis tout rêve qui ne glorifie pas Dieu. Je détruis maintenant, j'annule, je détruis tout rêve qui ne glorifie pas Dieu. Oh oui Seigneur, tout rêve qui ne glorifie pas Dieu. Je détruis les rêves, je détruis les conséquences de ces rêves. J'annule au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas détruire tout ce qu'ils ont introduit dans ta vie à travers un rêve. Les rêves disent beaucoup sur notre vie. Si après les rêves, on pouvait tout simplement prendre le temps de prier sérieusement, le Seigneur allait faire des choses, n'est-ce pas? Combien de fois les rêves nous annoncent des choses que nous négligeons? Le nombre de personnes qui a vu ces disputes, les disputes de leur foyer en rêve avant que cela n'arrive, incroyable. Pourtant, nous voyons et nous laissons cela arriver. Tu vas détruire toute chose que le diable a ordonné dans ta vie. Toute chose que le monde des ténèbres a ordonné et tu vas détruire tout ce qui a été fait pour que tu fasses ce rêve. Combien d'enfants de Dieu sont à la base de leur propre malheur?
Vous savez, tous les corps ne portent pas les mêmes énergies. Bien-aimé, tu peux tomber sur la nudité de quelqu'un et tu as l'impression que quelque chose est collé sur ton visage. Tu peux voir la nudité de quelqu'un et tu as l'impression que tu te sens mal à l'aise en même temps. Mais de nos jours, quelqu'un peut ouvrir son WhatsApp et écarter ses pieds pour que quelqu'un d'autre regarde. Quand ils sont amoureux, en train de prendre un bain, ils se regardent. Ils se mettent dans toutes les positions, ils font des photos, ils se regardent. Et ils vont aller rester sur des sites internet et ils ouvrent leurs yeux, ils passent tout leur temps seulement à regarder ça. Après, ils vont dire, ça pas pourquoi leur vie n'avance pas. Pourtant, le livre de Lévitique 18, du début à la fin, dit, tu ne découvriras pas la nudité des temps. Tu ne découvriras pas la nudité des temps. Tu ne découvriras pas la nudité des temps. Voici comment certains ont brûlé leur vie. Brûlé leur vie. Il y a des femmes qui ont brûlé leur vie comme ça. Il y a des hommes qui ont brûlé leur vie comme ça. Et comme le diable sait que c'est puissant, ça envoie une malédiction instantanée. Qu'est-ce qu'ils font? Sur les réseaux sociaux, ils envoient, ils identifient les gens avec des images. Ils savent ce que c'est. Ils connaissent le pouvoir de ces choses. Tu vas dire à Dieu, tout ce que le monde des ténèbres a ordonné dans ta vie, tout ce qui a occasionné ces rêves, à partir d'aujourd'hui, plus de sentiments pour la distraction ni pour ces bêtises. Prions dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, je chasse les ténèbres de ma vie. Je chasse les ténèbres et je détruis les conséquences de cette vie passée sur ma vie. Les conséquences du voile. Je prends autorité sur la lune, sur le vent, sur les éléments qui ont accompli ces choses et je leur ordonne de relâcher au nom de Jésus. Même les attaques par nudité en rêve, les nudités que j'ai vues en rêve, les nudités que j'ai vues en rêve, les alliances, les cas et les malédictions en rêve, physiquement, je les détruis au nom de Jésus. Je détruis les alliances, la nudité, je détruis, je brise, j'annule toute malédiction que je me suis attirée. Oui, toute malédiction en tombant sur les pièges sexuels, en tombant sur les images piégées, en tombant sur les vidéos piégées, en tombant sur les mails piégés. Je détruis tout au nom de Jésus. Nous détruisons maintenant tout ce que le monde des ténèbres a ordonné. Seigneur, libère mon âme de l'emprise de ces choses, de ces alliances, de ces pactes, de ces choses au nom puissant de Jésus. Nous détruisons maintenant. Toute chose dans laquelle mon âme a été enfermée dans le passé, toute chose, toute histoire, je l'ai détruit. Tout ce que le monde des ténèbres a ordonné dans ma vie. Tout ce que le monde des ténèbres a ordonné. Tout ce que le monde des ténèbres a ordonné. J'ai détruit les dépôts, les images, les conséquences de la nullité, les conséquences des choses, les conséquences des erreurs, les conséquences. Je l'ai détruit au nom de Jésus. J'ai détruit ces conséquences, j'ai détruit ces choses, j'ai détruit tout ce que le monde des ténèbres a introduit dans ma vie. Toutes ces choses que l'ennemi a introduit, nous détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons les malédictions qui ont été prononcées. Nous détruisons les décrets, nous détruisons les ordonnances sataniques. Tout ce qui a été ordonné, lorsque nous sommes tombés dans leur piège, j'ai détruit les conséquences des adultères en rêve, les conséquences de l'adultère en rêve, les conséquences des images sexuelles en rêve, les conséquences des excréments en rêve. J'ai détruit. Seigneur, libère l'âme, libère mon âme. J'ai détruit les conséquences de la nudité en rêve, de la nudité, des choses que j'ai vues en rêve, des choses que j'ai vues physiquement. J'ai détruit au nom de Jésus. J'ai détruit les pensées d'adultère, les pensées d'impudicité, les pensées d'attaque, les pensées sataniques, les pensées, les accusations, les attaques en rêve. Je les détruis. Les conséquences. J'ai détruit tout ce que le diable a introduit dans ma vie.
Je détruis toute chose qui a été transférée diaboliquement dans ma vie. Je détruis tout ce que le diable a ordonné dans ma vie. Tout ce qui a été ordonné de mauvais depuis le monde des ténèbres, transféré dans ma vie. Je détruis tout ce qu'ils ont transféré, toute maladie qu'ils ont transférée dans ma vie, tout virus qu'ils ont transféré dans ma vie, toute chose qu'ils ont transférée dans ma vie. Je détruis tout ce que mes ennemis ont introduit dans ma vie. Je détruis tout ce qu'ils ont introduit dans ma vie. Je détruis tout ce qu'ils ont introduit dans ma vie. Je détruis tout ce qu'ils ont introduit dans ma vie. Je détruis tout ce qu'ils ont introduit dans ma vie. Je détruis tout ce qu'ils ont introduit dans ma vie. Je détruis tout ce qu'ils ont introduit dans ma vie. Je détruis tout ce qu'ils ont introduit dans ma vie. Je détruis tout ce qu'ils ont introduit dans ma vie. Je détruis tout ce qu'ils ont introduit dans ma vie. Je brise les verrous. Je brise tout problème qu'ils ont introduit dans ma vie par la nudité. Tout ce qu'ils ont ordonné dans ma vie. Je brise les ordonnances, les commandements de Lucifer, du royaume des ténèbres. Je brise tout ce qu'ils ont ordonné sur ma vie. Je brise les malédictions. Je brise les conséquences de mes péchés. Je brise les conséquences de mes erreurs. Je brise leur emprise sur mon cœur, sur mes pensées, sur mon âme. Oh oui, Seigneur, je brise l'envoûtement. Je brise toutes ces choses qu'ils ont collées à ma poitrine. Je brise, je détruis tout ce que mes ennemis ont collé à ma poitrine. Tout ce qu'ils ont collé à mon âme. Tout ce qu'ils ont accroché à mon âme. Tout ce qu'ils ont planté dans ma vie. Tout ce qu'ils ont introduit. Je me libère. Je détruis tout ce qu'ils ont introduit dans ma vie. Tout ce qu'ils ont transféré dans ma vie à partir de la terre. Je libère ma vie, je libère ma famille, je libère ma femme. Je brise les alliances, les accords, les contrats, les choses qu'ils ont faites pour que je leur cède mes destinées. Je brise, je rejette les contrats, je rejette les cadeaux piégés, je rejette et je réclame ma destinée. Je rejette toutes choses par lesquelles le diable a acheté ma vie. Je brise leur monnaie d'échange. Je brise leur contrat d'échange. Je brise leur contact d'échange. Tout esprit des eaux, je détruis. Tout ce qui leur donne le droit légal. Je détruis les contrats, les paroles, les patrons, les vœux, les choses qui leur donnent le pouvoir, qui leur donnent l'autorité, qui leur donnent l'autorisation, qui leur donnent accès. Je détruis les pensées négatives. Je détruis le pouvoir de la nudité. Je détruis tous les rituels de nudité, les bains collectifs. Je brise les alliances de bains collectifs. Les malédictions de bains collectifs. Je brise les alliances, les pactes. Je brise les mariages maléfiques. Tout mariage maléfique, le mariage qui a été ordonné depuis le monde des ténèbres. Tout mariage satanique ayant été ordonné dans le monde des ténèbres, tout mariage spirituel ayant été ordonné dans le royaume des ténèbres, je détruis les connexions, les contrats, les liens, je les brise, tout contrat, toute alliance, par les paroles, je détruis les paroles, les vœux, les déclarations, je détruis tout accord que j'ai donné, tout accord que quelqu'un a donné. Je détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu fais partie de ces hommes, si tu fais partie de ces hommes ou de ces femmes qui, très amoureux, prennent leur bain sous les eaux, et pendant qu'ils vont prendre leur bain sous les eaux, ils vont profiter pour avoir des rapports sexuels.
sans même prendre le temps de prier, en prenant des bains sous les eaux qui sont les portes des esprits des eaux, tu commences à avoir des problèmes de mari de nuit, parce que le sang en contact avec les eaux, si tu n'as pas prié, si tu n'as pas la sagesse, c'est une alliance que tu viens de contracter avec les esprits impurs. Tu vas dire à Dieu que tout esprit démoniaque qui a profité pour entrer dans ta vie, parce que ton copain, ton mari, ou bien ton ex-copain, ou quelqu'un et toi, très amoureux, vous aviez pris un bain ensemble, dans une baignoire, vous avez des rapports sexuels, ou sous un robinet, ou dans une douche, je ne sais comment ça s'est passé, ou dans une piscine, tu vas demander à Dieu que tous ces esprits géants, tous ces démons qui ont profité pour entrer dans ta vie, sortent maintenant au nom de Jésus. Amen. Prions dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous expulsons tous les démons qui sont entrés dans notre vie. Ces chenilles des eaux, ces démons, ces alliances, oui Seigneur, ces alliances que ton peuple a conçues en prenant des bains sexuels sous des eaux, des robinets et autres, sans prier, nous les détruisons. Nous détruisons ces bains, nous détruisons ces alliances, nous détruisons ces pactes, nous les détruisons au nom de Jésus. Toutes les alliances qui ont été tissées avec les esprits des eaux, à partir des rapports dans l'eau, à partir des rapports sous le robinet, à partir des rapports dans les forêts, à partir des rapports dans les coins, ô Seigneur, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons maintenant, nous détruisons les malédictions qui sont entrées dans la vie des enfants de Dieu, à partir du fait que certains parents qui ont eu des rapports dans des voitures, dans des voitures, dehors, en plein air, nous détruisons les malédictions. Nous détruisons les malédictions. Nous détruisons les malédictions. Nous détruisons les malédictions. Nous détruisons les bains maléfiques, les bains d'investiture, les bains de consécration. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons maintenant. Nous détruisons maintenant toute alliance qui a été consacrée quand certains ont laissé leur sémence dans l'eau. Leur sémence dans l'eau. Leur sémence dans l'eau. Nous détruisons, nous brisons, nous cassons, nous annulons, nous supprimons. Oh oui Seigneur, nous fermons les portes au nom de Jésus. Nous rejetons les esprits des eaux. Nous ordonnons maintenant. Nous ordonnons maintenant à tout génie, à tout esprit, à tout démon qui a profité d'un rapport dans l'eau pour entrer dans la vie des enfants de Dieu, pour entrer dans nos vies, pour entrer dans nos corps, pour entrer dans nos pensées, de sortir au nom de Jésus. Nous ordonnons à ces démons de sortir. Ces démons contractés dans la jeunesse, toute alliance tissée à partir de l'eau, par des rapports, par des bains, par des choses, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons les mauvaises choses, les contacts avec les esprits des eaux, les contacts avec les esprits des eaux. Nous détruisons les contacts, nous détruisons l'emprise sur nos enfants, sur nos parents, sur nos descendants, sur nos foyers. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons maintenant toute porte d'influence de Jézabel. Nous détruisons toute porte d'influence des esprits des eaux. Nous détruisons toute porte d'influence des démons. Nous détruisons toute porte d'influence des esprits démoniaques, toute porte d'influence qui ont eu accès dans notre vie à cause des rapports, à cause des rapports, à cause des rapports. Nous les détruisons, nous les détruisons, nous les détruisons. Nous détruisons les alliances, les accords, les pactes, les alliances, les accords entre nous et des gens. Nous annulons. Nous annulons aussi les programmations. Nous annulons au nom puissant de Jésus. Nous annulons maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, si tu fais partie de ces personnes, je vais donner les sujets pour que les concernés se délivrent. Si tu fais partie des personnes qui ont eu des rapports sexuels collectifs, et parfois c'était dans l'impudicité. Parfois c'était dans l'impudicité. En groupe, il y a des femmes qui ont été couchées par deux ou plusieurs personnes. Et il y a des hommes aussi qui ont couché par deux ou plusieurs personnes. Il y en a qui ont couché en groupe, attirant les malédictions. Si tu fais partie de ces personnes, il faut dire, Seigneur, je me repens. Je te donne le sujet pour que tu pries au cas où tu sois parmi. Tu vas dire à Dieu de détruire toutes les malédictions que tu as attirées dans ta vie. Par des rapports collectifs, même si ce n'est pas toi, faut dire Seigneur, même si un membre de ma famille a fait ça pour moi,
Je détruis cela. Au nom de Jésus. Prions dans le nom puissant de Jésus. Nous détruisons les malédictions des rapports sexuels collectifs. Dans nos familles, dans nos vies, nous détruisons les conséquences des malédictions liées aux rapports sexuels collectifs. Nous les détruisons dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos futurs enfants, dans notre propre vie. Je détruis cela. Dans ma famille, je les détruis au nom de Jésus. Nous détruisons maintenant. Nous détruisons les conséquences des rapports collectifs ou avec des partenaires multiples. Nous les détruisons au nom de Jésus. Je détruis maintenant les malédictions qui sont liées aux rapports sexuels avec des personnes de manière collective. Nous les détruisons, les conséquences des rapports collectifs. Nous détruisons ces malédictions. Nous les brisons au nom de Jésus. Tous les malheurs qui sont entrés dans nos vies à cause de ces pratiques, nous les détruisons. Nous détruisons les malheurs. Nous détruisons les malédictions. Nous détruisons les malheurs. Nous détruisons les malédictions. Nous les brisons. Nous les cassons. Nous les démolissons. Nous les fracassons. Nous les pulvérisons au nom de Jésus. Que ces malédictions sortent de nos vies au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous détruisons les malédictions. Nous détruisons les envoûtements. Nous détruisons les ensorcellements. Nous détruisons les malédictions de connexion, de malédiction. Nous détruisons les malédictions que nous avons héritées par le passé, par nos parents, par nos ancêtres. Nous détruisons les malédictions. Nous détruisons les malédictions. Nous détruisons les malédictions. Nous fermons les portes aux esprits des eaux. Les portes ouvertes par nos parents, par nos ancêtres, par nos aïeux. Nous les détruisons. Nous détruisons les malédictions. Nous détruisons les malédictions des alliances de sang. Les alliances de sang collectif. Nous les détruisons. Les conséquences des malédictions. Nous les détruisons. Nous nous déconnectons de ces choses. Nous nous séparons de ces choses que nos parents ou nous-mêmes ou certains parmi nous ont commis. Nous les détruisons. Oui, Seigneur. Que les malédictions ou les esprits qui sont entrés dans nos vies lorsque nos parents ou nous-mêmes avions commis ces choses, nous les chassons, nous les expulsons, nous les détruisons, nous les chassons, nous les détruisons, nous les cassons, nous les supprimons, nous détruisons les malédictions. Nous détruisons les malédictions des partenaires multiples dans la jeunesse, des partenaires multiples, des vagabondages sexuels, les malédictions des vagabondages sexuels. Nous les détruisons. Les malédictions des partenaires multiples, les malédictions des vagabondages sexuels, les malédictions des partenaires multiples, les malédictions, nous les détruisons. Ces malédictions, nous détruisons maintenant. Et nous ordonnons le déblocage de tout ce que ces malédictions ont bloqué. Nous ordonnons le déblocage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez pas écrire les prières. Les prières sont enregistrées. Vous n'avez pas besoin d'écrire. Ça vous déconcentre. Tu ne peux pas écrire, même si le sujet est important. Tu vas détruire la malédiction. Pour ceux qui sont dans ce cas, tu vas briser cette malédiction. Il y a des gens qui autrefois avaient un ou deux gars, une ou deux copines. Tel jour, on couche avec tel, un autre jour, c'est avec l'autre. Ce ne sont pas des gens qui ont fait des choses en groupe, mais ce sont des gens qui ont multiplié trop de malédictions. Il y a des gars qui avaient plein de go. Il y a des femmes aussi qui étaient infidèles. Un copain ici, un copain par là. Et il y a aussi ceux-là qui étaient à l'école primaire et qui se jouaient les copines de tout le monde. Tous les gens de la classe, chacun couchait. Professeur, tout le monde. Toutes ces bêtises attirent tellement de problèmes. Ce n'est pas pour rien, vous voyez qu'aujourd'hui le chrétien il est converti, mais sa vie n'avance pas. Parce qu'il oublie que quand tu nais à Jésus, c'est ce que tu confesses là qui t'est pardonné. Ce que tu oublies là, il faut vraiment la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Confessez vos péchés aux uns et aux autres. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui cache ses transgressions ne prospère jamais. C'est pas pour rien, tu vois des belles filles en train de tourner en rond, des beaux hommes en train de tourner en rond. Toutes ces bêtises
Sans oublier qu'il y a certains même que même leur visage était arrosé de bêtises par tous leurs gars. Des bêtises. Leurs corps ont été souillés. Des bêtises. Des femmes perverses. Et après, quand elles n'ont plus de chance dans la vie, elles vont dire c'est sorcellerie familiale. Tu vas détruire toutes ces malédictions que tu t'es attirées. Je ne sais pas quel homme qui t'a arrosé le visage ou le corps de ses sémences et tu ne sais même pas de quelle malédiction se trouve dans sa famille. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, où tu es allé te mettre. Tu vas demander à Dieu de te bénir. Amen. Prions dans le nom de Jésus. Si tu fais partie de ces personnes qui ont été victimes de ces choses, tu vas demander à Dieu de te laver d'abord. Demande d'abord pardon. Tu demandes pardon, tu invoques le sang de Jésus pour te laver. Oui, il y a des femmes qui ont avalé le sang d'homme. Le sang. Un ami m'a raconté cette histoire. Il a eu des rapports avec une fille qui a avalé sa sémence. Il a eu des rapports avec des filles qui disaient de les arroser. Des bêtises. Et après, tu vois, ces filles ne sont jamais mariées. Tu vas demander à Dieu de te délivrer de ces bêtises-là. Prions dans le nom de Jésus. Demande pardon à Dieu et tu lui demandes de te laver. Seigneur, nous te demandons de nous laver. Nous te demandons de purifier nos familles, de purifier nos fondations, de nous purifier au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner et de nous laver. Combien de tes enfants, Seigneur, ont fait des bêtises, ont avalé des bêtises? Combien ont passé leur vie qu'à ne faire que les mêmes choses? Seigneur, lave-nous pour ces pratiques malsaines, pour ces pratiques perverses. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes ces personnes qui se sont souillées de la bouche jusqu'aux orteils, de l'âme jusqu'aux esprits. Et lave-les dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, pour toutes les malédictions que tes enfants se sont attirées, que nous nous sommes attirés, que quelqu'un nous a attirés, nous te demandons pardon au nom de Jésus. Oui, Seigneur, si quelqu'un s'est fait avaler la sémence en perdant tous ses droits et ses bénédictions, Seigneur, pardonne à cette personne au nom puissant de Jésus. Nous te demandons, oui, Seigneur, que nos bénédictions ayant été volées, pardonne-nous pour ces choses au nom de Jésus. Seigneur, lave tes enfants. Seigneur, purifie tes enfants. Seigneur, nettoie tes enfants. Seigneur, sanctifie tes enfants au nom puissant de Jésus. Nous désactivons les malédictions. Nous invoquons le sang de Jésus pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous consacrer, pour nous nettoyer, pour laver tes enfants. Que le sang de Jésus nous lave au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous annulons toutes les malédictions que certains se sont attirées, que nous nous sommes attirés. Toutes les malédictions que nous nous sommes attirés avec toutes ces personnes que nous avons rencontrées. Toute malédiction qui est entrée dans ma vie avec les amis, les connaissances, les relations, les amitiés. Peu importe comment j'ai attiré cette malédiction. Toute malédiction dont j'ai été contaminé, que je me suis attiré. J'ai détruit ces malédictions. Je les détruis. 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 Toutes ces malédictions que nous nous sommes attirées, toute malédiction que nous avons provoquée, nous les désactivons, nous les supprimons, nous les cassons, nous les détruisons, nous les annulons, nous les détruisons, nous les cassons, nous les supprimons, nous les détruisons. Les malédictions, oui Seigneur, ces malédictions qui ont bloqué nos vies, qui ont bloqué tes enfants, nous les détruisons. Je déprogramme au nom de Jésus. Nous détruisons les malédictions, nous détruisons les envoûtements, nous détruisons les ensorcellements. Nous détruisons les empoisonnements. Nous détruisons les malédictions. Nous détruisons les conséquences des malédictions qui sont liées à ces choses, à ces actions, à ces comportements. Nous les détruisons. Nous détruisons les malédictions venant des esprits des eaux, venant des génies des eaux. Nous détruisons l'influence des eaux, l'influence de l'esprit de colère, l'influence. Nous détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons les malédictions. Nous détruisons les malédictions. Nous détruisons les comportements. Nous détruisons les chaînes, les cordes, les liens. Nous les détruisons. Les pratiques occultes, les pratiques mondaines, les pratiques occultes, les pratiques mondaines, les pratiques occultes, les pratiques mondaines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
Amen. Tu vas détruire les malédictions qui sont entrées dans ta vie lorsque tu es tombé dans le piège de Satan. Il y a un piège subtil de Satan que nous ne comprenons pas. Vous savez, la raison pour laquelle certaines personnes perdent leur bénédiction, amen, c'est tout simplement parce que parfois nous prenons ce qui appartient au diable. C'est bien de faire des films, hein. Mais quand un film n'est pas chrétien, j'ai entendu un témoignage dans lequel le démon disait à la personne, oui, elle m'appartient, elle écoute une musique que moi j'ai produite. Oui, elle regarde un film, elle a regardé mes films, c'est comme ça que je suis entré. Mais là, le pasteur a demandé, mais c'est quoi tes films? Un film qui a été inspiré par le monde des ténèbres. Ça dit, la jeune fille a regardé ce film, c'était la porte d'entrée. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi les gens font des films vampires? Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi ils font des films indiens bizarres? Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi au fur et à mesure que les gens dansent ces musiques sataniques et ces films sanglants, diaboliques et autres, la vengeance règne dans le monde, la haine, pas d'amour, la trahison, l'impudicité. Tous ces comportements sexuels, on les a ramassés où? Dans les films inspirés par le diable. Et lorsque tu tombes dedans, il a un point sur toi. Juste à ce que tu demandes pardon, Seigneur, je me repens pour tous les films d'horreur que j'ai regardés. Je me repens pour tous les films sanglants que j'ai regardés. Je me repens pour tous les films qu'ils ont fait semblant d'introduire des scènes sexuelles dedans. Je me repens pour tous les films inspirés par le monde des ténèbres que j'ai regardés. Si c'est ce qui lui a donné un accès à ma vie, je lui ferme la porte aujourd'hui. Bien-aimé, si lorsque nous faisons prier les enfants de Dieu, nous n'allons pas toucher les vrais points, les enfants de Dieu vont prier fatigués, il n'y a rien qui changera. Parce que parfois on prie, on est dans les églises, on fait des combats, mais les vrais sujets, on ne les touche pas. Et toujours tu finis de prier, les mêmes esprits que tu as chassés viennent te combattre aussi. Tu vas te repentir. Je me repens, Seigneur, pour les films d'horreur. Je me repens pour les films de sang. Je me repens pour des films horribles. Je me repens pour des films avec des scènes érotiques répétées. Je me repens pour des films de mensonges. Je me repens pour des films qui je ne sais comment, mais je me repens pour les films inspirés par le monde occulte. Et je me détache maintenant de tous les démons qui sont entrés. Demandons pardon dans le nom de Jésus. Éternel, nous te demandons pardon pour les musiques inspirées par le diable que nous avons écoutées. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ton amour. Nous implorons ta grâce. Pour toutes ces choses que nous avons regardées. Pour toutes ces musiques que nous écoutons. Pour toutes ces choses que nous voyons. Pour toutes ces bêtises que nous écoutons. Nous te demandons pardon. Pardon pour les films avec scènes incantatoires. Pour des clips vidéo avec scènes incantatoires. Pour des clips vidéo avec scènes maçonniques. Avec des signes occultes. Nous te demandons pardon. Pour ces artistes-là qui ont vendu leur âme au diable que nous écoutons. Nous te demandons pardon. Pardon d'avoir regardé des films sataniques. Pardon d'avoir regardé des films inspirés par le monde des ténèbres. Pardon d'avoir regardé des films sans avoir de discernement. Pardon d'avoir regardé des films qui glorifient le diable. Nous nous repentons. Nous nous repentons pour les films. Pour les musiques, pour les choses, pour des choses diaboliques que nous voyons avec nos yeux. Nous te demandons pardon d'avoir laissé nos enfants s'attacher à des dessins animés. Nous te demandons pardon d'avoir laissé nos enfants devenir accros aux dessins animés inspirés par le monde des ténèbres. Nous te demandons pardon pour les dessins animés auxquels nous nous sommes attachés dans l'enfance. Nous te demandons pardon pour les musiques diaboliques. Nous te demandons pardon pour des choses diaboliques. Nous te demandons pardon pour des choses qui ne te glorifient pas. Nous te demandons pardon pour des choses qui ne te glorifient pas. Nous te demandons pardon pour les mauvaises choses que nous avons regardées, pour les choses que nous avons écoutées, pour les choses, pour les musiques mondaines, pour les films mondains, pour les films brésiliens, pour les films sataniques, pour les films diaboliques. Nous te demandons pardon. Pardon d'être tombé dans le piège. Au nom puissant de Jésus. Nous te demandons pardon
Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour les films. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour ma famille. Je te demande pardon pour mes frères qui sont aussi dans l'ignorance. Je te demande pardon pour mes petites sœurs. Je te demande pardon pour ma femme, mes enfants, mes futurs enfants. Je te demande pardon au nom de Jésus. Seigneur, lave-moi maintenant. Seigneur, lave-moi. Que l'emprise du diable soit brisée sur ma vie. L'emprise du diable, c'est démon. L'emprise du diable, c'est démon. C'est démon. C'est démon. Nous détruisons maintenant. Nous détruisons maintenant. Nous détruisons maintenant. Nous te supplions. Nous te supplions, Seigneur. Nous détruisons l'emprise du diable. Nous implorons ta grâce. 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 Nous détruisons les conséquences des films sataniques. Nous détruisons les conséquences des films. Que tous les démons de violence, tous les démons de colère qui sont entrés dans notre vie, tous les démons de haine, tous les démons d'impudicité, tous les démons qui sont entrés dans nos vies par des dessins animés sortent au nom de Jésus. Je les chasse, 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 je les chasse. Tous les films sanglants, tous les films d'initiation. Nous détruisons les films d'initiation. Nous détruisons les films d'initiation. Les films d'initiation, nous détruisons les films où il y a des rituels sataniques. Les films avec des rituels sataniques. Les films avec des paroles d'envoûtement. Des films diaboliques. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons des films qui nous ont envoûtés. Des films érotiques. Le pouvoir des films érotiques. Nous détruisons maintenant. Nous détruisons maintenant. Nous détruisons maintenant. Nous détruisons maintenant. Les films d'envoûtement. Les films d'ensorcellement. Nous les détruisons. Nous détruisons les films d'envoûtement. Au nom de Jésus. Nous les détruisons physiquement et spirituellement. Nous détruisons les films d'envoûtement. Nous détruisons les films érotiques, les conséquences, les malédictions qui sont entrées dans nos vies à travers les autels, à travers les autels. Nous détruisons les conséquences des films d'horreur, les conséquences des musiques sataniques. Nous les détruisons, nous les détruisons, nous les détruisons, nous les détruisons. Je chasse tes esprits, je chasse tout démon qui est entré dans ma vie, tout esprit qui est entré dans ma vie. Qui est entré dans ma vie à travers les rêves, à travers les images, à travers les films, à travers les images, à travers les images. Je chasse, je détruis tout problème qui est entré dans ma vie à travers les images, à travers les films. Je détruis la haine, je détruis la peur, je détruis le stress, je détruis la haine, je détruis la peur, je détruis le stress, je détruis au nom de Jésus. Je ferme toutes les portes, 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 je brise les alliances. Je brise et brise et brise et brise et brise. Tout démon qui s'est emparé de moi à travers ces films, tu as brisé. Tout démon, 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 tout démon soit chassé. Libère ma vie au nom de Jésus. Tout démon qui s'est emparé de moi doit me libérer. Le démon doit me libérer. Les démons, les esprits de querelle, de tristesse, les démons de tristesse, les démons de peur, les démons de haine. Les démons de souffrance, les esprits doivent partir au nom de Jésus. Tout démon qui s'est emparé de moi, sort, 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 sort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Combien de gens confondent ce qu'on appelle barrière et blocage spirituel? Bien aimé, quand j'étais très jeune, je l'ai dit toujours, je vous l'ai déjà expliqué, j'étais en relation avec quelqu'un. Est-ce que vous savez que le jour que je suis sorti de cette relation, Dieu a montré en rêve, j'étais enfermé dans une chambre et la personne était assise devant la porte et je suis sorti de cette chambre en courant. C'est à partir de ce moment que j'ai eu la force de mettre fin à cette relation. Et c'est à partir de cet instant que les portes ont commencé à s'ouvrir à moi. Le diable et ses agents sont capables de t'emprisonner dans quelque chose. T'emprisonner dans une histoire.
t'emprisonner dans une relation, t'emprisonner dans une amitié, t'emprisonner dans un faux projet, t'emprisonner dans une fausse affaire. Si je vous en parle, c'est parce que j'en sais quelque chose. Beaucoup sont ceux qui sont emprisonnés dans ces relations bizarres. Et étrangement, ce sont les relations dans lesquelles ils ont tellement de sentiments. Dans une relation, tu es en train de mourir, mais pour quitter, tu n'as pas la force. Pour quitter, tu n'as pas le courage. Dans une amitié qui ne t'apporte rien, mais pour t'en défaire, tu n'as aucune force. C'est un peu comme si cette personne-là a une influence incroyable sur ta vie. Dans une entreprise où ta vie n'avance pas, mais pour abandonner, pour aller faire autre chose, tu n'as pas le pouvoir. Tu as quelque chose que tu fais qui ne t'apporte rien, mais on te conseille pour quitter ces problèmes. Dans quoi est-ce que tu es emprisonné? Quelqu'un a une question? Donc tu sais maintenant que tu dois délivrer ton âme de toute chose à laquelle ils t'ont lié, attaché. Toute chose que tu crois que c'est une amitié, c'est une bonne affaire, c'est un bon truc. Ah, c'est je le fais pour Dieu. Même dans je le fais pour Dieu, le diable peut te détruire. Moi, j'ai quelqu'un qui avait fait presque 14 ans en Angleterre. Sa vie n'avançait pas. Quand tu lui demandes, il dit, mais j'ai prié pour les gens. Oui. Il dit, c'est bien pour prier, de prier pour les gens. Mais est-ce que tu sais que les gens qui viennent là, il y en a qui sont envoyés par le diable pour te bouffer l'énergie. Ce sont le genre de personnes pour qui tu pries, mais qui ne sont jamais délivrées. Tu pries, mais elles ne sont jamais délivrées. Tu pries, mes problèmes finis jamais. Tu pries, mes pleurs finis jamais. Je lui ai dit, si tu ne fais pas attention pour discerner les vrais enfants de Dieu des faux, Satan va jouer avec toi. Étrangement, c'est lorsque j'ai prié avec cette personne que sa situation s'est décantée. Après combien de temps? 14 ans. Et tu es là, parfois tu dis tu sers Dieu alors que parmi ceux qui viennent pour te demander de prier à des infiltrés. Bien aimé, tu vas demander à Dieu toutes choses dans lesquelles l'ennemi t'a emprisonné. Toutes les fausses histoires, tous les faux projets, toutes choses qu'ils prennent pour te tenir occupé. Aujourd'hui, tu vas casser, tu vas démolir toutes choses que le monde des ténèbres a inspirées dans ta vie, rien que pour te garder, même les relations inspirées, même les fausses amitiés inspirées, même les fausses connexions inspirées. Tu vas voir, y a des choses qui vont sortir de ta vie et des habitudes que tu ne vas plus développer. Prions dans le nom de Jésus. Nous démolissons toute relation, toute chose, les fausses amitiés, les faux projets que le diable et ses agents ont inspirés dans ma vie. Nous les brisons physiquement et spirituellement. Nous détruisons tout ce que le diable et ses agents ont inspiré. Les fausses amitiés, les fausses relations, les choses que le diable a inspirées pour nous entraîner loin du plan de Dieu, nous les cassons au nom de Jésus. Je détruis tout ce que le diable a inspiré. Les conversations inutiles, les disputes inutiles, les paroles inutiles, les histoires inutiles, les amitiés inutiles, je les démolis, je les casse, je les brise, je les supprime. J'ai détruit toute amitié maléfique, toute relation maléfique, toute chose inspirée par le monde des ténèbres. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons tout ce que le diable a provoqué, les fausses amitiés, les fausses relations, les choses qu'ils ont programmées, toutes choses dans lesquelles nous avons été emprisonnés. J'ai détruit toute amitié qui n'est rien d'autre qu'une prison. Toute chose, tout attachement à des choses, à des objets, à des films, à des relations, à des choses qui ne sont rien d'autre que des emprisonnements. Nous détruisons les fausses relations dans lesquelles nous avons été emprisonnés. Les fausses histoires dans lesquelles nous avons été emprisonnés, nous les démolissons, nous les cassons, nous les détruisons. Nous détruisons les histoires, les problèmes, les distractions, les colères, les histoires, les divisions, les influences. J'ai détruit toute chose dans laquelle j'ai été emprisonné. Les fausses histoires qu'ils nous ont mises dans la bouche, les problèmes qu'ils ont injectés dans nos maisons, dans nos foyers, les prises d'histoires. Les histoires n'ont point fini. Nous les détruisons. J'ai détruit toute chose dans laquelle j'ai été emprisonné. Je les détruis au nom de Jésus. J'ai détruit
toutes choses dans lesquelles j'ai été emprisonné par le monde des ténèbres, toutes choses dans lesquelles j'ai été emprisonné, toutes choses à laquelle j'ai été lié, les faux projets, les fausses histoires, les détournements de destinée. J'ai détruit les vents qu'ils ont lancés, je dissipe le vent, les histoires de famille, les divisions de famille, les querelles de famille, les palabres de famille, les palabres, les justifications qui ne finissent pas. Nous détruisons les justifications interminables, les histoires interminables, les problèmes interminables, les conflits interminables dans lesquels ils nous ont enfermés, les jalousies interminables, les mésententes interminables, les interminables, les perpétuels recommencements. Nous les détruisons. Je détruis toutes choses qui me barrent le chemin. Les histoires, les problèmes, les querelles, les maladies, nous les détruisons au nom de Jésus. Je détruis toutes choses à laquelle j'ai été attaché, toutes choses à laquelle j'ai été lié, toute mauvaise habitude, je brise, je casse, j'annule les mauvaises habitudes. Je me détache des 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 détournements sataniques. Je me sépare des accidents. Je détruis les accidents. Les accidents de la destinée. Les accidents de la destinée. Les accidents de la destinée. Je les détruis. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand l'esprit parle, il faut écouter. Alléluia. Il y a quelque chose qui doit sortir de ta vie. Du moins, il y a quelqu'un qui doit sortir de ta vie. Ce que je vous dis est vrai. Les détournements de destinée. J'étais allé au Ghana à cause de la guerre. Et je cherchais un moyen pour sortir. Et c'est lorsque je sortais pour demander à mon ingénieur de son que j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait vraiment chanter dans ma musique. Je croise une jeune fille qui avait aussi un projet de musique. J'avais totalement oublié, moi, ma musique. Frère, c'est sœur. J'avais totalement oublié. C'est-à-dire que j'ai laissé tomber ma musique et je vais maintenant travailler sur la musique de la jeune fille. Je croyais que je l'aidais. Vous savez, il y a des gens que Dieu envoie pour que tu les aides. Mais il y a des gens que le diable envoie pour te détourner de tes décisions. Et il y a même des choses même que Dieu peut permettre que le diable détourne si tu n'es pas sage. C'est lorsque j'ai pris, après quelques temps, la fille, sa musique est sortie, elle m'avait déjà trahi, elle allait faire des trucs avec sa femme. C'est lorsque j'étais en train de prier pour dire à Dieu, mais Seigneur, toute personne que le diable a envoyée dans ma vie, pour faire quoi? Pour me retarder, que cette personne s'en aille. En rêve, bien aimé, je ne peux pas jurer, mais vous savez que je dis la vérité. En rêve, j'ai vu cette fille qui a pris ses clics et ses claques, elle était en train de partir de ma vie. Au départ, je n'avais pas compris. Elle a pris ses clics et ses claques. Elle était en train de partir de ma vie. Je me suis réveillé et j'ai expliqué le rêve aux gens autour de moi. Quelque temps après, bien aimé, quand Dieu fait quelque chose, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est venu dans votre vie à qui vous étiez attaché, ami, et puis tout à coup, vous commencez à prier et puis vous parlez avec cette personne, mais vous ne comprenez pas, mais qu'est-ce qui la tient loin de vous? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a plus envie de vous parler? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a plus envie de vous approcher? C'est comme si l'Esprit de Dieu avait fait que cette fille-là. Moi, au départ, je n'avais pas compris que c'est Dieu qui avait promis ça, qui avait permis ça. J'ai lui demandé, mais Juliana, pourquoi tu ne nous visites pas? Pourquoi tu nous as laissé tomber? J'ai tout fait, mais étrangement. C'est comme si après ma prière, il y avait désormais maintenant une barrière entre cette jeune fille et moi. Elle était mon amie. Et déjà, vous savez, souvent on s'attache très facilement. Donc, là, les gens me disent, non, tu sais, les gens, ils sont comme ça. C'est un rêve que Dieu m'a montré que c'est lui qui l'a expulsé de ma vie, à ma demande. Et j'ai tellement pas compris ça, et j'en parlais, j'ai dit, mais cette jeune fille, je l'ai aidée, alors qu'elle me laisse tomber au moment où moi j'ai besoin de soutien.
Et c'est un rêve que le Seigneur va me faire jouer une musique que j'avais l'habitude d'écouter en rêve. Et la musique était en train de jouer. Et la musique, le titre c'est Don't Give Up. Et dans la musique, le monsieur disait une phrase. Some people don't even know when God starts something new. Je crois que j'ai déjà rendu ce témoignage pour ceux qui ont une bonne mémoire. Dans la musique, le monsieur a dit des mots clairs. Some people don't even know when God starts something new. C'est-à-dire que moi-même, j'ai demandé prière là. J'ai prié et je ne sais pas que c'était ce que j'avais demandé que Dieu était en train de faire. C'est-à-dire que le jour que j'ai eu un concert à l'Alliance française du Ghana là, on a même dû demander pardon là. Finalement, j'ai dit, mais attends, pourquoi? C'est après que l'Esprit de Dieu va me montrer que c'est Dieu qui l'a chassé. Parce que cette personne-là, tu aimais tellement ton ami là, tu l'appréciais tellement que tu as oublié que Dieu t'a envoyé pour quelque chose. La même chose est arrivée à Montréal. J'arrive à Montréal et je rentre dans une église qui n'a pas de pasteur. Je commence à travailler de tout mon cœur. Et moi, j'ai oublié que j'avais une destinée. Lorsque j'ai commencé à prier, ils ont formulé un complot et l'Esprit m'a dit de quitter. Lorsque j'étais en train de dire, Seigneur, regarde, ils m'ont trahi. Cette église dans laquelle j'ai travaillé pendant 2 ans et demi, je me suis donné. Quand l'église est devenue grande, ils sont allés soulever quelqu'un d'autre pour venir. Et le Seigneur me montre encore la caissière de l'église. Elle était en train de partir. C'est comme si quelqu'un l'a chassée. Et il y avait une barrière entre elle et moi. Et le Seigneur me permet de comprendre. C'est moi qui les ai expulsés de ta vie. Parce que façon, tu étais attaché jusqu'à tu ne voyais même pas. Il y a des gens, c'est Dieu qui les a expulsés de votre vie. Ils étaient des barrières. Et dans notre ignorance, on se sent, on sait pas. Il y a des gens même qui viennent dans ta vie pour une mission. Une mission. Mais quand ils viennent et puis ils se heurtent à une barrière, ils vont partir. Et toi, tu es étonné qu'un ami que tu as aidé, un ami que tu as aimé, coupe avec toi du jour au lendemain. Et toi, tu ne sais pas pourquoi. Juste après tes prières, tu commences à critiquer, tu commences à dire aux gens, oui, les gens ne sont pas bien, alors que c'est Dieu même qui est en train de nettoyer ta vie. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un que Dieu doit retirer de ta vie. Il y a des choses que Dieu doit retirer de ta vie. Il y a des gens qui sont partis de ta vie. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu t'es posé des questions. Tu te dis, mais j'ai fait quoi à cet ami-là? Il devrait partir. Il y a des gens qui sont venus faisant semblant de vous aimer. Du jour au lendemain, pouf, la relation s'est cassée. Toi, tu crois que c'est sorcellerie? Non! Parfois, ce n'est pas sorcellerie. Dieu a vu où ça allait t'emmener. Tu vas demander à Dieu. Toute chose qui doit sortir définitivement de ma vie, pour que je puisse avoir même la force d'entrer dans ton plan pour moi, que cela sorte. La pitié, les fausses affections, les manipulations. Oui, bien aimé, ce sont des fausses affections. Parfois, tu as été très attaché à ces personnes. Tu en as souffert. Oh, ces personnes devraient sortir de ta vie. Tu vas dire à Dieu, toute chose qui doit sortir de ma vie, pour que je me concentre un peu. Même si c'est un individu qui doit sortir de ta vie, pour que tu te concentres un peu, pour que tu comprennes un peu, pour que tu avances un peu, tout ce qui doit sortir de ta vie sort aujourd'hui, un point, un trait. C'est plus tard que tu comprends que Dieu t'a préservé d'un danger. Au départ, tu pleures, mais plus tard, tu dis, hey, Seigneur, merci. Au nom de Jésus, prions. Oui, Seigneur. Toutes les mauvaises choses qui doivent sortir de la vie d'Olive. Toutes ces mauvaises amitiés, toutes ces choses, ces distractions que le diable provoque, qui doivent sortir de la vie de Daniel, de ma vie, de la vie de tout le monde, de la vie de destinée, de nos vies, soient chassées. Au nom puissant de Jésus, toutes ces distractions qui doivent sortir de ma vie, toutes ces personnes qui doivent sortir de nos vies, toutes ces conversations qui doivent sortir de nos vies, toutes ces distractions, toutes ces choses qui doivent sortir de nos vies pour que ma vie avance, soient chassées. Toutes ces histoires inutiles, tous ces problèmes inutiles, toutes ces distractions, toutes ces manipulations qui sont introduites dans ma vie par le monde des ténèbres, soient chassées. Les relations qui amènent les paroles, les discordes, les distractions, les palabres, les querelles, au nom de Jésus, je les chasse. Oui, Seigneur, nous détruisons
tout ce que le diable a introduit dans ma vie. La distraction pour nous bouffer le temps. La distraction, les railleries, les querelles. Oh Seigneur, nous les détruisons au nom de Jésus. Je détruis l'emprise de tout individu que le diable utilise pour inspirer les critiques. Je détruis l'emprise, je détruis l'influence, les mauvaises influences sur nos vies, les mauvaises influences sur nos âmes, les mauvaises influences sur nos destinées, les mauvaises influences sur nos relations, les mauvaises influences, nous les détruisons. Je détruis l'emprise de l'homme fort, les distractions, les railleries, les distractions, les railleries. Je les détruis. Les envoûtements, nous les détruisons. Nous détruisons la malédiction et sa cause. Nous détruisons maintenant les railleries, les histoires, les choses que le diable a programmées en cette année. Nous les détruisons. Je détruis les accusations. Je détruis maintenant. Toutes les tentatives de prise de contrôle. Les tentatives de prise de contrôle. Les influences. Je détruis les influences humaines sur ma vie. Je déclare que plus aucun humain n'aura d'influence négative sur ma vie. Les influences négatives. Je détruis l'emprise de toute personne ayant un contrôle sur ma vie. Je chasse toute chose qui doit sortir de ma vie pour que j'avance. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis. Les relations malsaines, les amitiés malsaines, je détruis. Les connexions malsaines, je les détruis. Les relations malsaines, je les détruis. Les espions soient chassés. Je détruis. Je brise les liens, les mauvais liens, toute chose dans laquelle je suis emprisonné, toute histoire dans laquelle je suis emprisonné, tout problème dans lequel je suis emprisonné. Je détruis les prisons. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien aimé. Le diable fait tellement assez pour bloquer les enfants de Dieu. Il fait beaucoup. Hein? Et vous allez remarquer qu'en écoutant mes prières sont en même temps des enseignements. Amen. Vous allez remarquer que ma méthode de formuler des prières sont en même temps des enseignements. Pourquoi? Je formule la prière de sorte à te transmettre le message pour t'orienter dans la prière. Donc, tenez bien compte de ce que je dis. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de gens n'ont jamais avancé. Parce qu'il y a toujours une histoire. Il y a toujours une tentative d'insurrection. Une tentative de prise de contrôle. Une tentative d'influence. Si beaucoup d'enfants de Dieu avaient travaillé 80 heures par semaine sur leur projet, je vous dis sur leur projet, beaucoup allaient avancer. Qui a pris le contrôle de ton temps? Qui a eu à prendre le contrôle de ta vie? Y a-t-il quelqu'un qui a fait quelque chose qui t'a fait mal que, à tel point que pendant des années, tu en parles, depuis des années tu en parles, mais tu es esclave? L'une des choses que le Seigneur fait pour ses enfants, c'est de développer notre intuition. Moi, chaque fois qu'une mauvaise personne vient dans ma vie, je le sens. Je le sens tout de suite. Il y a un monsieur qui m'avait appelé un temps. Il dit qu'il avait des histoires à me raconter. Mais mon esprit n'était pas conscient. N'avait pas confiance à ce monsieur. Automatiquement, je me suis senti mal à l'aise. Bien aimé, quelques mois après ce que ce gars-là a fait, l'esprit m'a permis de comprendre.
Tu as eu raison. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous protéger. Vous allez voir que de mauvaises personnes vont venir dans votre vie. Elles vont tout faire, mais vous n'allez jamais sentir l'amitié. Elles vont essayer, ça ne marchera jamais. J'ai une amie. On est amis depuis 2013. Jusqu'à aujourd'hui là, on est des bons amis. On s'entend et autres. Mais il y a des gens qui viennent, qui sont tout de suite, il y a une barrière. En fait, toi-même là, tu ne connais pas la personne. Déjà, la présence de la personne ne te donne pas l'assurance. Et là, tu te poses la question, mais pourquoi cette personne, je n'arrive pas à l'accepter dans mon cœur? C'est parce qu'elle est mauvaise. Quand quelqu'un cache sa vraie nature pour venir vers toi, c'est comme ça. Moi, je connais quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Et je sentais qu'il y avait une barrière entre la personne et moi. C'est comme si Dieu ne voulait pas que je m'ouvre à la personne. Mais ce qui s'est passé après, bien aimé, c'est pour ça que vous allez remarquer que les personnes avec qui je collabore le plus sont les personnes où on sent qu'on a le même esprit. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas permettre à quelqu'un de vous cacher, c'est son hypocrisie. La personne va tout essayer, mais vous n'allez jamais vous ouvrir. C'est un peu comme s'il y a quelque chose qui vous permet de prendre vos gardes. Et c'est plus ça que vous comprenez que j'ai bien fait de me méfier de cette personne. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de te protéger et de t'éloigner de toute tentative d'insurrection. Si tu fais partie des personnes qui souffrent et qui sont influençables, je te garantis, ma soeur, tu ne vas jamais évoluer. Amen. Parce que s'il y a un secret que je peux vous donner dans l'accomplissement de votre destinée après les prières, c'est l'émotion. La plus grande puissance qui permet à un enfant de Dieu de réussir sa vie s'appelle émotion. Et l'émotion découle de notre cœur. Voici pourquoi la Bible déclare que nous devons garder notre cœur. Parce que si les émotions qu'on vous donne ne sont pas bien finies, quand quelqu'un te donne la peur, tu ne vas jamais avancer. Quand tu es déçu, tu es découragé, tu es abattu, tu es triste, tu perds confiance, tu es stressé. Toutes ces émotions-là vont te paralyser. Quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu n'as... Non, l'émotion va détruire ta vie. Quand quelqu'un te choque, quand quelqu'un te blesse, ça dit que c'est tellement fort que tu es là, tu parles seulement et tu ne sais même pas à qui tu parles. Tu marches même, tu parles seul. Émotionnellement bouleversé, tu finis. Ta vie ne va plus jamais avancer. Si tu es influençable émotionnellement, ta vie va plus... Bien aimé, regardez comment les hommes ont joué à vos vies quand ils ont réussi à jouer sur vos émotions. Regardez comment vous êtes malheureux quand quelqu'un joue sur vos émotions. Colère, haine, déception et autres. Tout ça là, regardez comment quelqu'un joue avec votre vie. Quand il arrive à toucher vos cœurs avec ses paroles, en manipulant vos émotions, vous commencez à être euphorique, vous commencez à prendre des décisions, vous commencez émotion sur émotion. Mais regardez encore comment vous êtes fort quand vous êtes motivé, quand vous avez le courage, quand vous êtes déterminé, quand vous êtes inspiré, quand vous êtes touché par les paroles de quelqu'un. C'est sur quoi ces paroles jouent? Sur vos émotions. Donc, si quelqu'un arrive à te motiver, tu deviens comme un champion. Et voici d'où vient le problème. L'émotion, les sentiments. Chaque fois que vous avez agi, c'est parce que quelqu'un a su vous pousser à agir, non? À vous donner le courage. Le courage est une émotion, un sentiment qui te donne un état d'esprit, de combativité. Chaque fois que quelqu'un t'a déçu, quelqu'un t'a découragé, quelqu'un t'a influencé, quelqu'un t'a offensé, tu as eu envie de faire quoi que ce soit. Et parfois, c'est tellement fort que tu passes toute ta vie à en parler. Quelqu'un qui n'est même plus là, tu parles des fantômes. Les fantômes de ta vie doivent partir aujourd'hui. Mon ancien copain m'a fait ça. Ce monsieur-là, c'est à cause de lui, je n'ai jamais réussi. Ce gars-là, il m'a tellement blessé. Je l'ai tellement aimé. Des fantômes qui continuent de gouverner votre vie. Des fantômes. Combien de fois les gens jouent à nos émotions? Et parfois des gens qui n'ont même pas rien, qui sont rien. Tu vas voir une femme et tu vois le visage du garçon pour qu'elle pleure là même. Tu as mis de la gifle pour dire ma soeur, qu'est-ce qui ne marche pas? C'est pour ça là tu pleures depuis 20 ans là. Mon frère, c'est pour celle là tu pleures depuis 20 ans. Avec toutes ces belles femmes dans le monde là. C'est émotion, c'est émotion. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, Denise, vrai ou faux? Tu vas dire à Dieu vraiment que tous ces fantômes-là qui gouvernent ma vie s'en aillent.
tous ces fantômes, parfois c'est des bons à rien, c'est vous qui les nourrissez, mais vous pleurez pour eux. Parfois vous étiez dans la maison, mais dans la relation, c'est vous-même qui souffrez, c'est vous qui galérez pour tout. Et puis quelqu'un comme ça, il parle de ta vie, il dit, viens, merci, c'est toi qui pleures tous les soirs. En derrière, tu as perdu Donald Trump. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, vraiment Seigneur, aide-nous à être sages. Prions dans le nom de Jésus. Que tous ces fantômes, tous ces revenants qui vivent en moi, qui vivent en moi, soient chassés. Tous ces esprits sataniques, tous ces souvenirs-là qui continuent d'hanter ma vie, toutes ces histoires-là qui continuent d'hanter ma vie, soient chassés. Tous ces mauvais souvenirs, tous ces mauvais souvenirs qui continuent de gouverner ma vie, les souvenirs, les blessures, les émotions, soient brisés, soient chassés au nom de Jésus. Oui, Seigneur, que tous ces souvenirs, que toutes ces choses, que toutes ces choses qui continuent de gouverner ma vie, de contrôler mes journées, soient chassées, soient chassées, soient chassées, soient chassées, soient chassées, soient chassées, soient chassées. Les émotions négatives, les démons derrière, les démons de manipulation mentale, soyez chassés. Soyez chassés. Toutes ces émotions négatives qui me détournent de la réalité, qui m'aveuglent, qui me freinent, je les détruis. Je les détruis. Je reprends le contrôle de ma vie que j'ai cédé aux hommes. Le contrôle de ma vie que j'ai cédé aux gens que j'ai connus dans le passé. Le contrôle de ma vie que j'ai cédé aux parents, que j'ai cédé aux amis. Le contrôle de mon cœur que j'ai cédé. Je reprends le contrôle de mon cœur. S'il y a quelqu'un à qui j'ai donné le droit sur ma vie, sur mon cœur, sur mes émotions, sur mon âme, je brise son emprise. Je brise l'emprise du passé sur mon cœur, l'emprise des souvenirs sur mes pensées. Je brise l'emprise de ces choses sur mes pensées, sur mon corps, sur mon cœur, sur mon âme. Je brise toutes ces choses qui m'emprisonnent. Toutes ces histoires passées qui m'emprisonnent, je me défais des histoires, des trahisons, des blessures, des choses que je raconte depuis des années, des histoires, des blessures, je me libère, je me détache, alléluia. Je me détache et j'ordonne à toute chose, tout animal qui m'a avalé de me vomir. Vomis-moi. Tout pouvoir des ténèbres, tout poisson géant, toute histoire qui m'a englouti, toute affaire qui m'a avalé. Vomis-moi. Toute chose qui m'a avalé, tu dois me vomir. Toute chose qui m'a avalé, tout problème qui m'a englouti, toute histoire par laquelle le diable m'a enfermé, tu me vomis dans le nom de Jésus. Tu me détaches, tu me vomis, je brise l'emprise de toute personne à qui j'ai été fortement attaché et dont je n'arrive pas à me détacher. Je brise l'emprise de tout ami. Je brise l'emprise de tout ami du passé. Je brise l'emprise des revenants du passé. Je brise l'emprise des histoires du passé. Je brise l'emprise des histoires. Je brise l'emprise des histoires. Je brise l'emprise des histoires. Je brise l'emprise des problèmes. Je brise les problèmes. Je brise les histoires. Je brise les souvenirs. Je brise les blessures d'enfance. Je brise toute emprise des amitiés d'enfance. Je brise et je m'en détache. Je brise et je m'en sépare. Je brise, oh oui Seigneur, je brise les souvenirs, les histoires, les choses. Je brise l'emprise de mes erreurs, l'emprise des regrets, les regrets, les manipulations émotionnelles, les manipulations sentimentales. Je les brise au nom de Jésus. Je brise l'emprise. Je détruis l'emprise des histoires que je n'arrive pas à oublier. Des problèmes, des blessures, des trahisons, des blessures, des problèmes, des trahisons. Je brise au nom de Jésus. Je me détache de cette histoire. Je me détache des souffrances d'enfance. Je me détache. Je détache mon cœur de ces choses. Je détache mon cœur.
Je détache mon cœur. Je détache mon cœur. Je détache mon cœur. Je détache mon cœur. Je me détache. Je me libère. Je me détache. Je me libère. Je me détache de toute histoire, de tout problème, de toute affaire, de toute histoire, dans le passé, dans lequel j'ai été emprisonné. Je libère mon corps, mon âme et mon esprit. Je libère, ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit. Je me libère. Je me détache au nom puissant de Jésus. Je me libère 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 au nom puissant de Jésus. Je me libère. Je brise le voile. Je brise leur emprise. Je brise leurs mains. Je brise leur emprise. Je brise. L'influence du passé sur ma vie. Je brise l'influence des choses passées. Je brise et je détruis. L'influence des rituels. L'influence des relations passées. L'influence du péché passé. Je brise. Le joug, l'emprise. Des erreurs, je brise l'emprise des erreurs, des relations, des connexions, des mauvaises choses, je brise et je me libère. Je me détache de là où j'ai été enterré au village, je me détache, je me libère au nom puissant de Jésus. Je me détache et je me libère. Je brise les verrous, je brise les chaînes, je brise les liens émotionnels. Je brise la dépendance affective. Je brise les attachements. Je brise les liens du passé. Je brise tout attachement négatif, toute dépendance affective, toute dépendance du passé, toute dépendance téléphonique. Je brise la dépendance affective. Je brise la dépendance. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien aimé. Peut-être que dans ton enfance, tu n'as pas eu d'amour. Peut-être que dans ta jeunesse, tu n'as pas eu l'affection de tes parents. Peut-être qu'au cours de ta vie, tu n'as pas vraiment été aimé. Ne laisse pas cela devenir un blocage pour toi. Cela peut avoir des inconvénients dramatiques. Les personnes qui n'ont pas reçu d'amour dans leur enfance sont des personnes qui ne savent pas se sacrifier pour les autres. C'est un peu comme si elles veulent combler la vie des autres en leur apportant la satisfaction. C'est ce qui leur donne un peu de jouissance dans la vie. Or, le faisant, si tu ne sais pas te contrôler, tu commences à dépendre de tes amis. Émotionnellement, tu dépends. C'est un peu comme si tu dois faire quelque chose dans la vie des autres pour qu'ils soient heureux. En fait, la joie que tu n'as pas reçue, tu veux donner à quelqu'un. Or, dans ça aussi, tu souffres de ce qu'on appelle la dépendance affective. Quand tu t'attaches à quelqu'un, tu t'attaches pour de vrai. Or, si tu as le malheur de t'attacher à une mauvaise personne, cela peut constituer un grave problème. Parce que parfois, tu t'attaches facilement à des amis et parfois, tu es déçu. Ça s'appelle la dépendance affective. Tu peux t'attacher à quelque chose, tu peux croire facilement à quelque chose. Tu peux vouloir sauver le monde, or tout le monde ne voit pas de la même façon que toi. Et ça fait que tu reçois des chocs
tu reçois des coups dans la vie. Parfois tu es déçu, tu pleures, quand tu finis de pleurer, tu te relèves, tu reprends la même chose. Tant que tu ne guéris pas de ces problèmes, tu ne vas jamais avancer dans la vie. Bien-aimé, tu vas chasser les ténèbres de ton esprit. Tu vas chasser la haine de ton esprit. Tu vas chasser la colère de ton esprit. Trop de fois, nos réactions sont dues à ce que nous avons emmagasiné dans la vie. Tellement tu emmagasines, quand tu réagis mal. Tu vas demander à Dieu de chasser les ténèbres de ta vie. Il faut être concentré, bien-aimé. Amen. Prions. Tu vas dire à Dieu que tu chasses les ténèbres de ta vie. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je chasse les ténèbres de ma vie. Je chasse toute forme de haine, de rancune, de colère, qu'ils ont collé à ma poitrine. Que la plaque satanique soit brisée aujourd'hui. La plaque satanique qu'ils ont conçue et collée à mon cœur, qui gênait la haine, la rancune, la colère. Je démolis cette plaque satanique au nom de Jésus. Je détruis les conséquences de la haine, de la rancune, de la colère, des blessures, des émotions, des choses. Je les détruis au nom de Jésus. Je détruis la cause de la haine, de la rancune. Je détruis la cause de la nervosité. Je détruis la cause. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis maintenant les injustices, les injustices, les injustices, les injustices, les injustices dont nous avons été victimes. Sans parler, nous les détruisons. Ces injustices dont nous avons été victimes et qui font que nous sommes sur la défensive. Nous détruisons les injustices. Nous détruisons l'injustice. 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 Nous chassons les ténèbres de notre vie. Nous chassons, nous chassons, nous chassons, nous chassons, nous chassons, nous chassons, nous chassons l'injustice. Nous chassons de notre cœur la haine, la rancune, la colère, les accumulations d'énergie négative. Je chasse de mon cœur. Je chasse tout esprit, toute colère, tout démon, toute frustration, toute chose. Je chasse, 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 je chasse la colère, la haine, la rancune. Je chasse la colère, la haine, la rancune. Je chasse, je brise, je détruis, je brise les chaînes. Je brise, je chasse, je détruis, je détruis, je détruis. J'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit toute chose qui rend les gens incapables de ressentir l'émotion. J'ai détruit toute chose qui rend les gens incapables de ressentir l'émotion, d'éprouver l'émotion. Nous détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons la dépendance affective. J'ai détruit la dépendance affective. J'ai détruit les attachements, les états de la dépendance affective. J'ai détruit la dépendance affective. J'ai détruit les mauvais attachements. J'ai détruit les attachements excessifs. J'ai détruit tout attachement excessif. J'ai détruit tout attachement. Je détruis maintenant. Je détruis maintenant. Je me détache. 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 Je me détache au nom puissant de Jésus. 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 Je brise maintenant les liens. Je brise les cordes. Je brise les chaînes. Je brise les cordes. Je brise les liens. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes que je traîne depuis des années. Je brise la destruction qu'ils ont introduite dans ma vie. Je chasse de ma vie les ténèbres. Je chasse, je chasse, je chasse, je chasse, je chasse, je chasse, je chasse les ténèbres. Je brise les liens. Je brise les émotions, je brise les emprises. Je brise, 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 je brise les liens. Je brise les programmations, je brise les malheurs, je brise les problèmes, je brise les blocages, je brise les problèmes, je brise les sentiments, je brise ce qui m'a été imposé. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise toute vie des frustrations, les malédictions, les malédictions, les malédictions. Je brise, je brise, je brise, je brise. Au nom de Jésus, j'ai vu quelque chose. Amen. On ne va pas tarder à couper sur Facebook et YouTube parce que les gens ne sont pas concentrés. J'ai vu quelque chose.
quelque chose qu'ils ont fait pour bloquer la vie de quelqu'un. Je vois les ailes d'un poulet qui a été lié. Alléluia. Je vois les ailes d'un poulet rouge. C'est un poulet rouge que j'ai vu, c'est un coq. Alléluia. Merci Seigneur, dis merci Seigneur, dis merci Seigneur. Et je vais te dire ce qui a été fait avec ce coq. Un coq rouge. Alléluia. Les ailes du coq ont été liées par derrière. Les pattes du coq ont été liées. Et après que ce coq a été lié, des paroles ont été déclarées et le coq a été enterré vivant. Cette personne qui est concernée par ce rituel de blocage des destinées, ça c'est un rituel de blocage des destinées. Un rituel pour enterrer vivant la destinée de quelqu'un. Je ne sais pas qui est, qui a été victime de cette méchanceté satanique. Tu vas dire à Dieu que tout rituel qui a été fait contre moi, d'où un poulet, les ailes ou les bras d'un poulet ont été liés, d'un coq rouge, où un coq rouge a été sacrifié pour paralyser ma destinée. Je détruis le rituel de paralysie, le rituel de destruction. Je l'ai détruit au nom de Jésus. Bien aimé, prions. Je détruis tout rituel qui a été fait contre moi, dans lequel j'ai été représenté dans un coq, dans lequel ma vie a été invoquée dans un coq, dont les ailes ont été liées, dont les pattes ont été liées et enterrées. J'ai détruit tout rituel d'enterrement, tout rituel dans lequel j'ai été enterré pour bloquer ma destinée. Tout sacrifice qui a été fait pour me bloquer, pour bloquer mon élévation, pour me limiter, j'ai détruit. J'ai détruit les rituels, j'ai détruit les rituels, j'ai détruit les rituels, j'annule les rituels, des choses dans lesquelles on m'a représenté dans un corps d'animal, dans un corps de poulet qui a été enterré vivant, tout poulet qui a été enterré vivant, tout poulet qui a été enterré vivant pour me représenter. J'ai détruit l'emprise de ce poulet. J'annule les paroles qui ont été dites. J'annule les rituels, j'annule les rituels, j'annule les rituels, j'annule les alliances, j'annule les paroles qui ont été proférées sur ce poulet, sur ma vie, sur mon travail, sur mes biens. J'ai détruit le rituel. Tout rituel qui visant à enterrer un animal, une volaille, à sacrifier un animal pour m'enterrer vivant, pour m'enterrer vivant, pour enterrer mon étoile, pour enterrer ma vie. J'ai détruit les rituels. Je brise les fils, je libère mon âme. Je brise les fils, je libère mon âme. Je détruis tout sacrifice de poulet qui a été fait à mon nom. Je détruis tout sacrifice qui a été fait au bord de l'eau. Tout sacrifice qui a été fait dans les rivières. Alléluia. Tout sacrifice qui a été fait pour bloquer mon don de vision. Pour bloquer mes dons de vision. Pour bloquer mes dons de vision. Pour bloquer mes dons de vision. Pour bloquer ma vraie destinée. Pour bloquer ma vraie destinée. J'ai détruit, je libère ma destinée, je libère, tout ce qu'ils ont fait pour me lier, tout ce qu'ils ont fait pour m'enterrer, tout ce qu'ils ont fait pour me bloquer, tout ce qu'ils ont fait, tout animal enterré à mon nom, tout animal sacrifié à mon nom, tout animal offert aux rivières, j'ai détruit son pouvoir. Je libère ma destinée, je coupe les cordes, je coupe les liens, je coupe les cordes, je coupe les liens, je coupe les cordes, je coupe les liens, je brise au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas réciter cette parole biblique. C'est pour ça dans la prière, il faut ouvrir la bouche toi-même et prier. Il y a des prières que ton âme doit ressentir, ton corps doit ressentir. La Bible dit, du fruit de tes lèvres, tu te nourriras. Bien aimé, c'est pas pour rien que vous voyez des gens paralysés et bloqués. Imaginez qu'on attache, on attache les ailes d'un poulet, on attache les pattes et on enterre le poulet vivant. Après avoir invoqué la vie de la personne dedans. Et quand on est en train de prier, au lieu que certains écrivent, certains prient, ils écrivent. Tu vas déclarer avec moi, Seigneur, il est écrit dans ta parole. L'occultisme ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Ainsi je prophétise la destruction de tout occultisme et de sorcellerie que j'ai été victime, dont j'ai été victime.
Maintenant, tu vas répéter ça en prenant ton nom. Alléluia. Lorsque le Seigneur m'a visité aujourd'hui, j'ai su que Dieu nous aime. Il voit tout ce que le diable fait en envoyant les gens autour de nous. Sœur Daniel, tu as reçu la prophétie, non? Lorsque l'esprit m'a saisi, l'esprit m'a poussé à venir pour prier. Parce que hier nous avions prié, le Seigneur a beaucoup aimé. Des gens étaient détachés. Et lorsque l'heure arrive, je ne savais même pas que l'heure était arrivée, l'esprit me saisit et me pousse à venir prier. C'est pour ça, sœur Eugénie, je ne t'ai jamais averti. Si je savais, j'allais t'avertir. Dieu est témoin de ce que je dis. Tu vas dire à Dieu, l'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Moi, Eloge et Kissi, je proclame par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que l'occultisme, que le vaudou, que le charlatanisme, que la sorcellerie, que les malédictions, que les incantations, que les enterrements, que les sacrifices, les rituels, les ensorcellements, les rêves de nudité, les rêves d'excréments, les rêves de sorcellerie ne peuvent rien contre l'objectif aujourd'hui. J'ai détruit l'occultisme. J'ai détruit toute forme de sorcellerie qui a été utilisée pour me voler. J'ai détruit toute forme de sorcellerie qui a été utilisée contre mon mariage, contre mes destinées, contre ma vie conjugale, contre mes destinées. Oh oui Seigneur, contre ta volonté, je détruis, je libère, je renverse. J'ai détruit toute forme de rituel, d'occultisme, de sorcellerie qui a été utilisée contre moi. J'ai détruit toute forme de magie, toute forme de magie, toute forme de magie, toute forme de magie qui a été utilisée. J'ai détruit toute forme de magie, j'ai détruit toute forme de magie qui a été utilisée. J'ai détruit toute forme de maraboutage dont j'ai été victime. Les cordes, les liens, les chaînes, les mains, je brise les liens, je brise, je casse, j'annule, je détruis toute forme de magie. La magie indienne, la magie égyptienne, la magie africaine, la magie burkinabé, la magie du Bénin, la magie de la Côte d'Ivoire, la magie du Togo, la magie du Cameroun, je détruis toute forme de magie. La magie du Burkina, du Niger, je détruis toute forme de magie que la sorcellerie a utilisée. J'ai détruit la sorcellerie. J'ai détruit toute forme de magie qu'ils ont utilisée pour bloquer mes destinées. J'ai détruit toute forme de magie. J'ai détruit toute forme de magie. J'ai détruit toute forme de magie qu'ils ont placée sur ma vie. Toute forme de magie qu'ils ont placée sur mon âme. Toute forme de magie qu'ils ont placée sur mon travail. Toute forme de magie qu'ils ont placée sur mon travail. Toute forme de magie qu'ils ont placée sur ma vie. Toute forme de magie qu'ils ont placée sur mon travail. Toute forme de magie qu'ils ont placée sur mon œuvre. J'ai détruit au nom de Jésus. J'ai détruit toute forme de magie. Que la terre vomisse mon travail. Les eaux vomissent mon travail. Les rivières libèrent. Libérez mon mariage. Libérez Charlène. J'ai détruit toute forme de magie qu'ils ont pratiquée contre ma femme. Toute forme de magie qu'ils ont pratiquée contre ma vie conjugale. Toute magie d'emprisonnement, toute magie d'entachement, toute magie de déplacement, toutes les magies, au nom de Jésus. J'ai détruit toute forme de magie africaine, la magie de ma famille, la magie de mon village. J'ai détruit toute forme de magie. J'ai détruit toute forme de magie, toute forme d'occultisme, de sorcellerie. La magie du Congo, la magie de la Côte d'Ivoire, la magie internationale, la magie indienne, les envoûtements, le vaudou. J'ai détruit toute forme de magie qu'ils ont pris pour m'attacher, qu'ils ont pris pour me lier, qu'ils ont pris pour me bloquer. Je brise, je casse, j'annule, je détruis, je brise, je casse, j'annule toutes les paroles maléfiques. Je détruis toutes les paroles de malédiction. Tout rituel, toute pratique, toute arme, j'ai détruit. Toutes les armes qu'ils ont utilisées, toutes les histoires qu'ils ont utilisées, j'ai détruit tout ce avec quoi j'ai été attaché, tout ce avec quoi j'ai été lié, tout ce avec quoi j'ai été bloqué, j'ai détruit. Les relations, j'ai détruit les choses par lesquelles ils ont réussi à me bloquer.
je brise toute forme de magie, toute forme d'histoire, toute forme de problème qu'ils ont utilisé, que ma famille a utilisé, je détruis au nom de Jésus. Les paroles, j'adore la parole, aux paroles qu'ils ont utilisées, aux paroles qu'ils ont prononcées, les incantations, les rituels, les sacrifices, je détruis toute accusation, je détruis toute forme de magie, de sorcellerie, de changement qu'ils ont utilisé. Je brise toute forme de magie, la magie pour me voler, qu'ils ont utilisé pour me voler. J'ai détruit toute forme d'incantation, toute forme d'objets maléfiques, les objets maléfiques, pour contre mes enfants, contre ma famille, contre ma vie, contre mes destinées. Je brise toute barrière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas détruire toute forme de sorcellerie, toute forme de parole, toute forme de pratique occulte qui a été faite contre toi. Tu vas répéter cette parole. Seigneur, il est écrit, toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Tu vas maintenant dire à Dieu, aujourd'hui, toute forme de parole. Parce que parfois, les prières sont mal orientées, c'est pour ça que les enfants de Dieu sont bloqués. C'est parce que vos prières sont mal orientées. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jésus dit, vos prières sont mal formulées. Vous priez mal, on prie mal. Tu vas dire à Dieu, toute forme de magie, ou même toute stratégie qu'ils ont élaborée. Il y a des gens qui ont été bloqués pour des choses simples comme ça. Ils envoient quelqu'un dans ta vie, ils introduisent un problème dans ta vie. Vous allez voir, il y a des couples par là qui finissent jamais. C'est-à-dire qu'ils font leur rituel là-bas, paf, ils déclenchent. C'est comme si la personne avec qui tu marches même était déjà prédisposée à se mettre en colère. C'est comme si toi-même tu étais prédisposée à être... Il y a des fois même tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Tu vas détruire toute forme de magie, toute forme de sorcellerie, toute forme de rituel, toute forme de sacrifice qu'ils ont fait. Rien que pour que tu n'atteignes jamais ton but. Tu vas tout détruire. Tu vas tout détruire. Prions dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, que toute forme de magie que l'ennemi utilise contre nous soit brisée au nom de Jésus. Oui, Seigneur, que toute forme de magie qu'ils ont pratiquée contre moi pour m'attacher, pour m'enterrer, pour me lier, pour me voler, soit brisée et que mes biens me reviennent. Que ce soit la magie de magie marine, toute forme de magie, la magie d'eau, la magie de feu, la magie de nourriture, la magie sexuelle, la magie, les rituels, je les détruis. J'ai détruit toute forme de magie qui a été pratiquée contre moi ces dernières années. J'ai détruit toute forme de magie qu'ils ont envoyé, toute forme de magie dans l'air, la magie dans le feu, la magie dans les herbes, toute forme de magie, la magie des plantes qu'ils ont utilisé, toute forme d'incantation, toute forme de rituel incantatoire. Je les détruis. Je les chasse. Je les détruis. Toute forme de magie. Je détruis. Toute forme de magie occulte, de magie, de la sorcellerie, des rituels, des traditions. Je détruis. Je déprogramme toute forme de magie, toute forme de sorcellerie. Ils ont programmé dans ma vie. Je détruis. Tout ce avec quoi j'ai été attaché. Tout ce avec quoi j'ai été bloqué. Tout ce avec quoi ils ont freiné ma porte. Tout ce avec quoi ils ont fermé les portes. Je brise le voile
le voile, le filet, le voile, les rituels, les sacrifices, les rituels, les offrandes sataniques. Je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les détruis. Je détruis leur pouvoir, je détruis leur pouvoir, je brise leur pouvoir, je brise leur emprise, je brise leur contrôle, j'annule leurs alliances, je casse. J'annule, je supprime, je casse, j'annule, je supprime, je casse, j'annule, je supprime, je casse, j'annule, je supprime, je renverse tes hôtels, je renverse tes hôtels, je renverse leurs tabourets, je renverse leurs emprises, je renverse, 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 j'annule au nom de Jésus. Tout agent d'être qui utilise maintenant le magnétisme, qui utilise maintenant, qui utilise le magnétisme, qui utilise l'énergie solaire. Je détruis toute magie pratiquée contre moi avec l'énergie solaire. Je détruis toute magie avec l'énergie solaire, avec l'énergie de la terre, avec l'énergie de l'eau, avec l'énergie de feu, avec l'énergie des plantes. Je brise, je détruis, je brise, je détruis, je brise, je détruis toute forme de magie, toute forme de magie, toute forme de magie de séparation. La magie de séparation, la magie de séparation, la magie de division. Je détruis, 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 je détruis toute forme de magie. Je détruis toute forme de magie. Je détruis toute forme de magie. La magie d'envoûtement, la magie d'ensorcellement, la magie de distraction, la magie de diversion, la magie, la magie, la magie, la magie, la magie, toute forme de magie pour provoquer l'impuissance, pour enlever l'amour, pour enlever la santé, toute forme de magie au nom de Jésus-Christ. Réma, 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 réma. La magie pour voler les émotions et pour voler l'amour. C'est là qu'ils ont eu certaines personnes. La magie pour voler l'amour. Je ne vous dis pas des choses que j'ai inventées. Même si vous ne croyez pas, certains le vivent déjà. Il y a des gens qui ont été très amoureux avant de se mettre ensemble. Dès qu'ils se sont mis ensemble, l'amour a disparu. Il y a des gens qui étaient très amoureux, très attachés à un projet. Ils étaient déterminés. À un moment donné, dès que les gens ont su, paf, ils ont retiré. Et l'une des choses que le diable fait, c'est de retirer à certaines femmes et à certains hommes l'envie de vivre. Tu peux voir une femme qui dit non, elle préfère être seule. Ça ne l'intéresse pas d'être avec un homme. Tu vas bien fouiller. C'est parce qu'ils sont tout simplement allés lui retirer ce sentiment. Je sais de quoi je vous parle. Pourquoi vous riez? Ils vont aller te retirer ces sentiments. Tu te réveilles du jour au lendemain, tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Ils pratiquent la magie. Parce qu'ils savent que ce qui permet à une personne de réussir en toute chose, c'est l'amour qu'elle a pour cette chose. L'amour, bien aimé. Est-ce que quelqu'un peut abandonner ce qu'il aime? Quelqu'un peut renoncer à ce qu'il aime? Quelqu'un peut maltraiter la femme qu'il aime? Une femme peut mal parler à son homme qu'elle aime? Non. Est-ce qu'une femme peut rejeter un homme qu'elle aime? Mais ils peuvent endurcir le cœur de certaines personnes. Te voler l'amour, te voler tout. Et tu vas remarquer que dans la vie là, tous ces dégâts que tu causes dans ta vie là, c'est toujours dû à ce que tu n'aimes pas. Bien aimé, ce que tu n'aimes pas, ce que tu n'aimes pas, tu maltraites. Celui que tu n'aimes pas, tu négliges. La magie. J'ai lu un livre dont je vous parle tous les jours. Dany, arrête de faire du bruit. J'ai lu un livre. Bon, dis à l'autre de faire des sessions. J'ai lu un livre, j'étais étonné. Des incantations, des paroles incantatoires. Où ils prennent le nom de quelqu'un et ils disent le nom de la femme. Et pendant ce temps, ils font les rituels. Et quand ils finissent de faire les rituels, ils disent à partir d'aujourd'hui, tu ne ressentiras plus de bonheur ni d'amour pour ton mari. Et en même temps, ils font des rituels pour dire, monsieur, tant, nous te rendons impuissant. Et pendant qu'ils sont en train de faire ça, le monsieur ne le sait pas. Il devient faible et molle. J'étais étonné, j'ai dit, waouh, donc la méchanceté a dépassé ses limites-là. Tout ce que je vous dis à ça, si vous trouvez, je n'invente pas. Il y a des hommes et des femmes qui ont des foyers brisés parce que le monsieur ne répond plus. C'est pas que il répond plus. Ils ont brisé. Elles sont malheureuses dans leur foyer comme ça.
Il ne peut pas te séparer de ton mariage, mais il peut détruire la joie de vivre. Il y a des gens même qui sont dans la même maison avec des gars. Comment une femme a témoigné? 5 ans, son mari ne l'a jamais touché. Il est là comme ça, comme s'il est mort. Pourtant, il est en vie. Vos projets, amen. Vos affaires. Si l'ennemi peut toucher à la vie d'une personne et détruire, c'est le cœur. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Il y a des femmes qui ont été malheureuses dans leur foyer comme ça, qu'elles veulent divorcer. Le gars est là, on dirait, il ne vit pas. Amour, sentiment, affection, parler, communication, tout est mort. Et le gars, il croit que c'est non, lui, moi, je suis comme ça, tu n'es pas comme ça. Ils t'ont imposé ça dans le monde des ténèbres. Et cela cause beaucoup de divisions et de confusions. Il y a des femmes qui ont puni pour ne pas qu'elles se marient. C'est le genre de personnes qui ne sentent même pas le besoin d'être avec un homme. Non, je peux être seule. Non, mais je me débrouille pas mal. Tu fouilles là. Ils ont tout simplement retiré l'envie de se marier et de vivre en couple. Là, elle est seule. Condamnée à être seule. Je ne vous parle pas des choses que j'invente. Si je les invente, tant mieux. Tu vas dire à Dieu que tu détruis toutes sortes de magies. Dont le but était d'endurcir ton cœur, de te rendre froid, incapable à ressentir même une émotion dans la vie. Toutes sortes de magies dont le but était de paralyser ta vie. Tu vas détruire cette magie, la sorcellerie, l'envoûtement, peu importe ce qu'ils ont fait. Amen. La magie des divisions, la magie des séparations, la magie des divorces. Prions dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous détruisons toutes sortes de magies et les paroles incantatoires. Nous les détruisons, la magie pour voler l'amour entre deux personnes, la magie pour détruire l'amour, la magie pour détruire les relations. Nous les détruisons. Toutes sortes de magies pour endurcir le cœur des enfants de Dieu. Toutes sortes de magies pour détourner les enfants de Dieu de leur but. Je les détruis au nom de Jésus. Toutes sortes de magies pratiquées sur nous pour tuer l'amour, pour tuer la paix, pour tuer la joie, pour tuer la mort spirituelle. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons la magie. La magie anti-amour, la magie anti-paix, la magie pour endurcir les cœurs, les rituels anti-amour, les rituels, nous les détruisons. Nous détruisons toute forme de magie, toute sorte de sorcellerie qui a été pratiquée pour bloquer le cœur, pour endurcir les cœurs, pour endurcir toute forme de magie. Nous détruisons maintenant au nom de Jésus. Nous détruisons la magie, nous détruisons la peur, nous détruisons le stress, nous détruisons la magie de la dépendance, nous détruisons la magie, nous détruisons les rituels, la magie pour tuer l'amour, pour tuer les sentiments, pour tuer la paix, nous détruisons les magies, toutes sortes de magies pour refroidir les relations, nous détruisons toutes sortes de magies. Pour refroidir les relations, pour refroidir les amitiés, pour refroidir les mariages. Nous détruisons toute forme de magie. Nous détruisons toutes sortes de magie. Oui, Seigneur, que la magie de paralysie soit détruite. Je détruis la magie de paralysie. La magie qui provoque la froideur, la paralysie, la lourdeur, la paresse. Nous détruisons la magie. Toute forme de sorcellerie, de vaudou, tout ce qu'ils ont fait pour nous attacher, pour nous lier, pour nous ensorceler. Nous détruisons la magie. Nous détruisons la magie pour tuer l'amour, la magie pour tuer l'affection, la magie pour tuer la paix, la magie pour tuer l'amour. Nous détruisons la magie. L'envoûtement, l'ensorcellement, l'occultisme. Nous détruisons la sorcellerie. Nous détruisons la magie. Nous détruisons la magie. Nous détruisons la magie d'enterrement. La magie d'ensorcellement. La magie d'investiture. La magie d'intronisation. Nous détruisons la mort. La magie pour provoquer la mort. Toute magie qui a été programmée pour provoquer la mort. Les rituels de sang. Nous les détruisons. Nous les annulons. Les rituels de sang. Les paroles incantatoires. Les rituels de sang.
les paroles incantatoires. Nous les détruisons. Nous détruisons les rituels de sang. Nous détruisons les paroles incantatoires. Nous brisons les cadenas. Nous brisons les chaînes. Nous brisons les rituels qui ont été faits avec des aiguilles. Qui ont été faits avec des fils. Qui ont été faits avec des aiguilles. Nous détruisons toute chose plantée à mon cœur. Tout rituel. Tout rituel. Et les aiguilles. Nous détruisons les rituels. Nous détruisons les aiguilles. Nous détruisons les fils. Les fils. Les rituels de vaudou. Les rituels de fétiche. Les rituels de satan, de sorcellerie. Nous détruisons les rituels. Nous détruisons les sacrifices de sang. Nous détruisons les rituels. Nous détruisons les sacrifices de sang. Nous détruisons les rituels. Nous détruisons tout rituel. Tout rituel pour nous voiler. Les rituels qui visaient à me voiler, à me détourner, à me bloquer, à voiler, à voiler, à voiler mon destin. Les rituels, à voiler mes biens. Les rituels de détournement, les rituels de vol, les paroles incantatoires. Nous détruisons les paroles incantatoires. Nous détruisons la magie de l'eau, la magie de l'eau, la magie de feu, la magie du sel, la magie de la terre. Nous détruisons tout pouvoir qui utilise le sel pour pratiquer la magie. Tout pouvoir qui utilise les choses spirituelles, les choses bibliques pour pratiquer la magie. Nous détruisons les rituels, nous détruisons les paroles, nous détruisons les rituels de fausses accusations, les rituels pour me salir, les rituels pour déclencher de fausses histoires. Nous détruisons les rituels, nous détruisons les rituels, nous détruisons les rituels, nous détruisons les rituels de colère, de haine, de rancune. Nous détruisons les rituels des sacrifices, les rituels. Les rituels, les rituels, les rituels qui tuent l'amour, les rituels qui tuent la paix dans le mariage, les rituels qui tuent l'amour dans les projets, les rituels de distraction. Nous les détruisons, 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 nous les détruisons. Nous les détruisons, nous les détruisons. Nous détruisons les condamnations. Nous détruisons les envoûtements. Nous détruisons les calebasses, les marmites d'emprisonnement. Les calebasses, les cadenas. Nous les fracassons. Les calebasses, nous les fracassons. Nous les fracassons, nous les fracassons. Les cadenas, les rituels, les fétiches, les enterrements. Nous les détruisons. Nous détruisons le pouvoir de tout feu. De tout feu qui a été allumé contre ma vie. Tout feu méchant, tout feu et le vent. Tout feu et le vent qui a été lancé, tout feu allumé dans les ténèbres pour parler contre moi. Nous détruisons. Nous détruisons toute magie. La magie du feu, la magie de l'eau, la magie de la terre. Nous détruisons la magie des herbes, la magie. Tout individu ayant utilisé des choses naturelles ou des choses bibliques pour pratiquer la magie. Nous détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons la magie de la terre, la magie de la flamme, la magie des plantes sacrées. Nous détruisons les sacrés, les plantes, les rituels, toute magie pratiquée contre moi. Nous détruisons l'occultisme. Nous détruisons tout ce que l'ennemi a fait pour voler l'amour de nos cœurs. Pour voler l'amour, pour tuer l'amour, pour voler l'amour, pour tuer l'amour, pour voler l'amour, pour tuer l'amour. Nous détruisons le voile. Nous détruisons le voile pour me cacher. Le voile, 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 le voile. Tout voile qui a été placé sur ma vie. Tout voile qui a été placé sur ma vie. Pour que je ne sois pas vu, pour que les bonnes choses ne me localisent pas. Je détruis le voile, je détruis le voile, je détruis le voile, je détruis le voile, je détruis les odeurs, je détruis le voile, je détruis le voile, je détruis le voile, je détruis l'esprit de dégoût. Le dégoût, tout ce que le diable a programmé pour créer le dégoût, pour créer le dégoût, pour créer le dégoût, pour créer le dégoût, pour créer le dégoût. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Tu vas refuser cette vie-là. Cette vie de poisse et de dégoût. Cette vie-là où tu es voilé, où les gens ne peuvent parler seulement de toi, être gentil avec toi, parce que quand ils ont besoin de toi. Il y a des gens qui sont dans des couples comme ça. Des couples envoûtés. Le seul moment où monsieur rit un peu avec madame, c'est quand il a besoin d'elle. Au lit. Là au lit, il oublie tous les sentiments, il oublie son comportement, il oublie son caractère, il oublie, il devient doux comme un agneau. Mais après qu'il se soit servi, tu deviens comme une ordure qui repousse avec un coup de pied. Il y a des couples aussi où la femme ne peut être gentille que quand elle a besoin de l'homme.
l'envoûtement. L'envoûtement de rejet. Où on ne peut seulement t'accepter dans le cœur et permettre ta présence parce qu'on a besoin de toi. Ça veut dire qu'en dehors du fait qu'on ait besoin de toi, on va même pas se souvenir de toi pour prendre le téléphone pour t'appeler. L'esprit du rejet. Et je sais que tu as déjà vécu comme ça. Dans un couple où le monsieur t'a ignoré, dans des relations où tu es totalement ignoré, dans des amitiés où tu es totalement ignoré, et tu te bats, hein. Entre-temps, tu te bats fort. Tu te donnes, hein. Tu te sacrifies même pour de vrai. Tu t'oublies même pour de vrai. Mais les seuls moments où tu dois avoir de l'importance, c'est quand on a besoin de toi. Parfois, tu te dis, mais les gens sont bizarres, hein. Les gens sont méchants, ils sont ingrats, hein. Non, ils ne sont pas ingrats. Ils sont sous l'influence d'un envoûtement qui travaille contre toi. Tu vas détruire ce voile satanique. Tu vas détruire cette malédiction. Qui veut que tu sois l'esclave de tout le monde et jamais béni par quelqu'un? Tu vas les détruire. Tu vas détruire cette poisse qui te suit partout. Tu vas détruire tout ce qui fait que quiconque te touche ressent le dégoût. L'esprit de dégoût. L'envoûtement de dégoût. Tu vas détruire cela, prions dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous détruisons tous les envoûtements de rejet et de dégoût. Les ensorcellements qui envoyaient le rejet dans nos projets. Les rituels, les ensorcellements, les envoûtements, nous les détruisons. Nous les détruisons, nous les supprimons. Tout ce qui a été dit et fait. Le rejet, le dégoût, les envoûtements, la poisse. Je détruis la poisse et les malédictions. Tous les rituels qui ont été faits sur moi, tout ce qui a été déversé, les libations, les ensorcellements, les odeurs que le diable a mis sur nous, les odeurs, le voile, le manteau de rejet, soit consumé. Je détruis toute malédiction qui veut que les gens ne m'apprécient que lorsqu'ils ont besoin de moi. La malédiction qui veut que les gens ne soient gentils avec moi que lorsqu'ils ont besoin de moi. Le rejet, je détruis cette malédiction qui fait que ma voix agace les gens. Cette malédiction qui fait que ma voix agace mes bienfaiteurs. Toute malédiction dans ma voix, toute voix, tout magnétisme, le magnétisme, je détruis tout ce qu'ils ont fait. 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 Je détruis tous les enterrements. Oh Seigneur, s'ils ont capturé ma voix au téléphone pour aller travailler, s'ils ont enregistré ma voix pour aller parler, s'ils ont enregistré ma voix dans les ténèbres, s'ils ont enregistré ma voix dans les ténèbres, pour aller travailler, je détruis cela au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. L'une des raisons pour lesquelles parfois on ne veut pas expliquer les choses spirituelles et donner des secrets aux enfants de Dieu, c'est que les enfants de Dieu, quand tu leur montres un secret, quand tu leur dis prenez l'huile, l'huile devient leur Dieu. C'est pour ça. Quand tu leur dis prenez huile d'olive, ça va devenir leur Dieu. Ils ne vont même plus faire autre chose, ils vont se laver, ils vont boire, ils vont manger, ça devient autre chose. Ils ne prient même plus, mais ils se promènent avec l'huile. C'est à cause de ce comportement que je vais arrêter de permettre aux enfants de Dieu d'avoir l'huile d'hysope. Parce que ce que je vous dis, c'est la vérité. Il y a des corps magnétisés, envoûtés et magnétisés. Or, quand ton corps est magnétisé, un homme peut t'aimer à distance, mais de près, fini. C'est pour ça que vous allez remarquer que beaucoup de filles disent que quand les gens couchent avec moi, ils s'en vont. Ton corps est envoûté. Ma sœur, si tu es le genre de personne qu'on peut aimer à distance, mais de près, tu énerves. Ton corps est envoûté. C'est un corps magnétisé. Ce que je vous dis là, je me suis arrêté pour vous donner la révélation.
Il y a des corps magnétisés et des voix magnétisées. Vous n'avez jamais vu des gens? Tout ce que tu dis, on dit, ça énerve les gens. Ah, il y a des femmes qui disent, mais papa, j'ai dit quoi de mal? Mais déjà, il est dans tous ses états. Il y a des hommes, hein, le diable a magnétisé leur voix. Bon, la sorcellerie a magnétisé leur voix, capturé leur voix. Ils ont travaillé. Tu vis dans la maison avec une femme. Elle ne peut écouter seulement les gens de dehors. Les conseils, même si dehors l'insulte, elle va rire. Mais toi, tu lui dis bonjour dans la maison, elle ne va pas te répondre. Une fois que tu vois que ta voix commence à énerver quelqu'un, sache qu'un travail a été fait. Un travail a été fait. C'est moi qui te dis. La vie dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ils peuvent travailler ta voix. Ce que je vous dis là, vous croyez que c'est faux? Allez faire des recherches, vous allez voir. C'est parce que les enfants de Dieu se posent jamais la question. Oui, deux jours là, mon mari il est nerveux, il est en colère. Tout ce que je lui dis, ça l'énerve. Ma soeur, c'est parce que ta voix a été envoûtée. Tu es envoûtée. Ta voix a été magnétisée. C'est parce que ta voix n'est pas agréable à son âme. C'est l'âme qui reçoit la parole. Bien aimé, quand quelqu'un parle là, la parole fait quoi à ton âme? Ton âme ressent ça. Oh, il y a des fois même quelqu'un ne te dit, hey, vraiment tes paroles me font du bien. Tes paroles ont fait du bien à mon âme. Ce que je vous dis est vrai. Une voix magnétisée. Est-ce que tu fais partie des personnes qui ont une voix magnétisée? Tu vas vendre aux personnes qui veulent acheter. Tu fais le commerce autour des nerfs. Tu veux discuter avec quelqu'un, même tu veux lui expliquer. Excuse-moi, je vais t'expliquer même ton explication, même ça énerve. Une voix envoûtée. Travailler. Maudit. Parce que l'ennemi dit, ça dit que ta voix là, quand quelqu'un entend ça, au lieu que cette personne soit en train de t'écouter, il n'y aura pas de puissance. Ça dit, plus tu demandes pardon, plus les gens vont être encore énervés. Ça, c'est une voix maudite. Sans oublier celles-là qui ont des corps envoûtés. Ça dit que ton ancien gars là, quand il prend le téléphone, t'appelle là, c'est qu'il a envie d'aller se soulager. C'est tout. Dès qu'il t'est soulagé là, tu commences à l'énerver, il te chasse, il part, fini. Rendez-vous la prochaine fois. Il y a même des couples qui sont dans la maison qui ont ce problème. Un corps ensorcelé et envoûté. Bien aimé, qu'est-ce que vous croyez? Quand les gens font des rêves, ils voient des excréments là. Vous croyez que ces excréments sont où? Quand Dieu te présente des excréments, quand Dieu fait que tu vois un son d'excréments là, sache que ce que tu as vu là, c'est en toi qu'ils ont projeté ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Tu vois un songe dans lequel tu es dans la salle de toilette en train de faire pipi ou de déféquer. En fait, ce que tu vois là, c'est le contraire. Vous savez que dans le combat spirituel avec les rêves là, c'est parce que certaines personnes ne savent pas, hein, que ce que tu vois en rêve là, Dieu te montre que c'est ce qu'ils ont mis sur toi. Amen. C'est pour ça que vous allez remarquer que les gens qui font des rêves, d'excréments et autres, parce qu'il y a ceux-là qui rêvent le contraire. Tu vois, ils sont en train de tuer quelqu'un alors que c'est toi qui sont en train de tuer. Tu vois quelqu'un a fait un accident alors que c'est toi qui a fait un accident. Tu vois quelqu'un en train de pleurer alors que c'est toi qui dois pleurer. C'est parce que les gens n'ont pas le discernement ni l'intelligence pour décoder leurs rêves. Donc, si tu fais partie de quelqu'un qui a vu la nudité, c'est-à-dire quand tu vois quelqu'un nu, ou bien tu fais un songe où tu vois que deux personnes sont en train d'avoir les rapports sexuels, tu te dis, hey, moi j'ai fait un rêve, hein. J'ai vu deux personnes en train de coucher ensemble. Je les regardais et puis ils n'avaient pas honte. En fait, ils étaient en train de... C'est pas deux personnes qui étaient en train d'avoir des rapports sexuels. C'est deux démons qui se sont mis nus. Et maintenant, pendant que toi tu assistais pour voir les personnes en train d'avoir des rapports sexuels, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se présenter sans rêve. Ou il y a des sorciers qui ont déjà travaillé leur corps, qui savent que la nudité est détruite. Ils vont venir se présenter à toi en rêve. Tu fais un songe, tu vois une femme qui te montre des parties intimes, tu vois un homme nu qui marche sans rêve. Or, c'est ce qui sont en train d'introduire ça. En fait, ce qui t'ont jeté, c'est pour t'aveugler. Et le jour qu'ils savent que dans des jours à venir, tu vas être béni et que Dieu va commencer à t'utiliser puissamment, prophétiquement là. Ces jours-là, ils vont faire qu'avant ça, tu tombes amoureux. Et dans cet amour-là, il y en a qui vont aller maintenant, ils croient qu'ils sont amoureux. Tu vois la jeune fille en train d'écarter ses pieds pour donner à son copain. Son copain aussi qui lui montre des choses et autres. Ils sont là, ils vont faire ça pendant les jours. Or, le diable le fait pour voiler ton visage, pour voiler leur visage. Tu vas voir que tes dons commencent à partir, ta connexion commence à partir, ta relation avec Dieu commence à se dégrader. Au bout de quelques temps, tu vas dire, ah, je ne me souviens plus de mes rêves, je n'ai plus de chance dans la vie, tout va mal. Ils ont préparé le terrain avant le temps. Bien aimé, les enfants de Dieu, ils viennent, ils expliquent les problèmes, mais ils ne comprennent pas. Est-ce que tu fais partie des gens qui sentent que, ah, moi là, quand j'ai un homme, il est chaud, chaud, mais quand on est en contact, il se refroidit,
il ne veut plus rien savoir. Bon, il commence à devenir bizarre, trouver des excuses, il s'en va. Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là? Tu parles, mais ta parole, ça agace. Ou bien tu sens que tu ne t'entends pas du tout avec les gens. Tu as comme l'impression que parfois, là, dans tes causeries avec les gens, vous échangez très mal. Vous mécomprenez. Tu as comme l'impression que dans ta vie, tu as l'impression que tu es toujours en conflit avec les gens. Ta voix est envoûtée. Amen. Tu vas dire à Dieu, vraiment, tous les travaux qu'ils ont fait sur mon corps spirituellement, l'ensorcellement corporel, tout rêve dans lequel j'ai pris un bébé et puis le bébé a déféqué sur mon corps. Parce qu'il y a des gens qui font ce rêve-là. Le sorcier va se transformer en bébé. Tu le prends en main. Tu dis, j'ai pris un bébé en rêve qui a pissé sur moi. C'est pas un bébé. C'est un vieux. Parce qu'il sait que s'il prend bizarre des vieux, là, tu vas comprendre. Toi, tu vas ignorer. Tu vas dire, c'est un bébé. Non, les sorciers sont méchants. Tu prenais un sorcier en main comme ça. C'est un vieux. C'est pas un bébé. Il pisse sur toi, tu dis, oh, j'ai fait un rêve, bébé a vomi sur moi, c'est pas un bébé. Vomi que qu'ils ont mis sur toi là, c'est un envoûtement, je te le dis, bien aimé. Si tu veux, va faire des recherches, tu viens me raconter ça après. Tu vas dire à Dieu de détruire tout envoûtement. Si tu as ton corps a été magnétisé, ensorcelé, empoisonné, je ne sais qu'est-ce qu'ils ont mis sur toi. Peut-être tu as fait des rêves, tu as vu des excréments, tu as fait des rêves ou peut-être tu as dormi, tu as pissé sur toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ce qui est sûr, le juge veut te détruire, là, il passe par tous les moyens. En tout cas, à bon entendeur, salut, prions au nom de Jésus. Je détruis maintenant tous les rituels, même les pipis au lit des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont toujours surpris, tout ce qu'ils ont fait pour surprendre les enfants de Dieu en rêve, à leur pipi, nous détruisons les rêves d'excréments, les rêves de défects. Au nom de Jésus, nous détruisons tout ce qu'ils ont fait pour travailler nos voix. Nous détruisons les rêves d'ordure, les rêves de souillure, les rêves d'impureté, les rêves de nourriture, les rêves d'ensorcellement, tout magnétisme, tout ce qu'ils ont fait pour magnétiser mon corps. Tout champ magnétique autour de mon corps, tout ensorcellement, tout envoûtement, tout champ d'envoûtement, le 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 champ d'envoûtement qui m'a été lancé pour que je m'endorme au volant. Pour que je meure au volant, tout champ d'envoûtement, je détruis tout au nom de Jésus. Nous détruisons les rituels, nous détruisons les ensorcellements, nous détruisons ce qu'ils ont fait pour bloquer ma vie, pour bloquer mes chances, pour bloquer mon destin. Je détruis les envoûtements pour me bloquer. Je détruis tout envoûtement contre Maman Véro. Nous détruisons tout envoûtement, tout ensorcellement, tout fétiche contre Maman Véro, contre ma maison, contre mes enfants, contre Destiny, contre nos enfants, contre mes amis, contre mes connaissances. Je détruis l'envoûtement. Tout envoûtement du monde des ténèbres dans ma vie. Je détruis tout envoûtement. Je détruis tout envoûtement. Je détruis tout ensorcellement. Je détruis tout programme de l'ennemi. Je détruis les rituels. Oh, là où ils ont maudit ma voix, ils disent que ma voix ne sera pas agréable. Je déclare que ma voix sera agréable. Ma voix sera agréable à entendre. Ma voix, ma voix, ma voix, ma voix, ma voix ne sera plus agaçante. Ma voix ne sera plus agaçante. Ma voix, tout ce qu'ils ont fait pour envoûter mon code vocal. Tout envoûtement de mon code vocal. Tout envoûtement de mon code vocal. Tout envoûtement de mon code vocal. J'ai détruit tout au nom de Jésus. Je détruis les rêves d'excréments, les rêves sataniques, les rêves impurs, les rêves dangereux, 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 tout ensorcellement, tout rêve sexuel, tout rêve de souillure, tout rêve d'empoisonnement, tout rêve de magnétisme, tout ce qu'ils ont mis sur mon corps, tout ensorcellement, toute urine, tout pipi, tout excrément sur mon corps, toute odeur invisible, toute odeur qu'ils ont mis sur mon corps, tout voile, oh, sur mes enfants, sur mes frères, sur mes enfants, sur mes enfants, sur mes enfants, je détruis l'envoûtement. Si ma voix était magnétisée, oui Seigneur, mets l'autorité, la puissance dans ma voix, mets l'autorité, mets l'autorité, mets l'autorité dans ma voix, mets l'onction sur mon corps, tout envoûtement dans ma voix, dans mon corps, dans mes affaires, dans mon image, je détruis au nom de Jésus.
Je détruis tout rituel qui a été fait sur ma photo pour envoûter ma personne, pour voiler ma personne. Les envoûtements par photo, envoûtement de l'eau coulant, envoûtement, les attachements, les envoûtements. Je détruis l'envoûtement. Je détruis tout ce qui a été fait pour m'envoûter. Je détruis les rêves d'envoûtement. Je détruis les relations d'envoûtement. Je détruis les contaminations. Je détruis tout envoûtement. Si j'ai été contaminé par une personne avec qui j'ai marché, je détruis au nom de Jésus. Si j'ai été envoûté par une personne avec qui j'ai eu des contacts physiques, je détruis l'envoûtement par des contacts physiques, l'envoûtement par les contacts sexuels. Je détruis dans la jeunesse les envoûtements par le contact, les envoûtements par les contacts, les envoûtements, les malédictions, le magnétisme. Je détruis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tout ce que je viens de vous raconter, ce sont des choses que les gens vivent depuis des années, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que leur vie est aux prises avec les envoûtements. Et il y a un secret que moi je connais qui permet de trouver faveur et grâce aux yeux de Dieu. Ma soeur, prie tous les jours dans ta maison. Seigneur, mets ta puissance dans ma voix. Que cette voix soit agréable aux oreilles de tout le monde. Que les gens n'entendent pas le contraire de ce que je dis. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui vous parle et qui s'explose et après il se rend compte qu'il n'avait pas bien compris ce que vous lui avez dit. Pourtant vous avez parlé de manière claire. Bien aimé, le Seigneur m'a donné quand même un peu de formation dans le combat spirituel. Et après la personne même a honte, même elle vient s'excuser. Pourtant ce que tu as dit là, c'était clair, hein? Tu as parlé de manière claire et limpide et la personne a entendu le contraire. Le monde des ténèbres peut interférer même dans vos conversations. Tu vas dire à Dieu de travailler ta voix. Tu vas dire à Dieu que maintenant, là, quand je parle à mon mari, que ça touche son cœur comme ça. Maintenant là, que ça perce son cœur soit doux. Là où le diable dit que tout ce que je vais dire là sera sujet de disputes et de confusion, même si c'est bon, j'annule ça. Bon, maintenant, toi aussi, s'il y a un homme qui fait ça, tu dis Seigneur, que ma parole touche le cœur de ma femme, qu'elle soit soumise, qu'elle soit douce. Ça veut dire que quand je parle là, c'est comme si on était en train de lui chanter sa chanson préférée, qu'elle soit calme et douce. Amen. Vrai ou faux? Attention aux basseuses, hein? faut pas vous aller prendre moi la parole là pour aller basser enfant de quelqu'un là-bas. On dit mari ou femme. Faut pas vous se préparer pour dire j'ai rendez-vous avec tel président. Je prends autorité. Tout ce que je vais dire, n'a qu'à dire oui. Oui, 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 oui. C'est pour ça moi quand je prêche, je dis pas tout. Il y en a, je dis pas. Parce qu'on ne sait pas qui est connecté. On ne sait pas tout qui est connecté. Donc, on va laisser les gens. Je ne vais pas donner tous les détails. Voilà. Les détails, peut-être, on va donner après. Mais on va donner peut-être en privé. Mais je ne sais pas. On ne sait jamais qui est connecté. Ah oui. Parce que ce que j'enseigne là, on ne sait pas. Ça marche dans tous les sens. Ça marche dans tous les sens. J'ai retenu cette leçon-là. Une jeune fille était venue me dire: mon frère, il faut prier pour moi, j'ai besoin de mari. Il dit, ma sœur, te montre secret. Secret pour avoir mari. Elle dit, voici comment on prie. Déjà, c'est moi qui allais devenir son fiancé après. À un moment donné, j'étais en train de dire à Dieu, mais attends, moi, je ne comprends pas. Je vous assure, on a fait des années ensemble. Hein. Il dit, ah, toi là, quand tu parlais là, déjà, tu ne savais pas que tu étais en train de te vendre. Quand je suis sorti de là, il a dit, ah bon, ta bouche qui parle, c'est pas toi qui connais le secret de prière. Maintenant, il ne parle plus. Vrai, vrai, là, je vous ai déjà raconté l'histoire, non? Hey. La fille, là, elle m'a récupéré. Quand j'étais jeune, hein, elle l'a chassé de ma vie. Ça dit que même si une femme m'approche pour me dire bonjour, j'ai qu'à voir femme, on dirait garçon. Je t'assure, toutes les soeurs qui m'approchaient, je les chassais.
Je les chassais. Quand tu commences à dire, mon frère, je t'aime, il dit, va loin là-bas. Aïe, elle a bloqué, verrouillé partout autour de moi. C'est un jour, j'ai fait une grosse prière. C'est même qui est venu dire, Dieu dit que tu n'es pas mon mari. Il dit, bon, faut partir. Non, parce que on sait pas quelle. On passe façon, on prie là, on sait pas quel malade tu peux connecter. Qui va récupérer pour dire, oh, je l'ai eu maintenant. Ou j'ai eu l'enfant là. Peut-être que quelqu'un te guette même dans le groupe, on sait jamais. On va dire, frère, éloge, merci, je m'en vais à la chasse. Fini. On donne pas tout en ligne. Surtout qu'il y a des gens bizarres qui se connectent. Je donne pas. Quitte là-bas. Tu vas dire à Dieu, bon, on fait quelques prières. Faut dire à Dieu, Seigneur, rends ma parole douce. Maintenant, tu vas dire Alléluia, Rema de Rema, Rema choquant et doux. Tu vas dire à Dieu, là, lave-moi d'une onction spéciale. Voilà. Tu vas dire à Dieu, là où Satan m'a amené dans l'impudicité, dans l'impureté, dans des relations bizarres, dans souillure, pour que tout soit rejeté. Désormais, tu vas dire à Dieu, désormais, lave-moi d'une onction spéciale qui fait que quand quelqu'un se colle là, il ne parle plus. Voilà, on appelle ça onction de coller serré. Tu vois, non? Tu me touches, tu ne me laisses plus. Ah là, je ne donne pas trop les détails. Vous savez, la prière, c'est le mot que tu dis, hein? Il y a les, ça là, vous voyez, moi j'ai vu les gens, ils vont dans le monde des ténèbres, ils vont ramasser des onctions bizarres. Ils ont des vestes qu'ils appellent, tu me touches, tu ne parles plus. Ces vestes sataniques, on les détruit. Vous voyez, avec la parole de Dieu, on a la capacité de dire, Seigneur, bénédiction rentre dans ma vie, ça ne sort plus. C'est tout. Qui rentre, tu ne parles plus. Qui rentre, tu restes. C'est tout. Tu me touches, tu me promets, tu accomplis. Vrai ou faux? Ah oui, l'onction de tu me promets, tu accomplis. Tu dis, tu accomplis. Voilà. Ah, Jésus. Attends, fermez le micro, on ne sait jamais. Au nom puissant de Jésus, je ne donne pas les détails. Je suis sûr que Daniel va appeler, va dire, ah, mon frère. Mon frère Louche. Toi là, je te connais. Ton affaire de mon frère Louche, il faut me laisser tranquille après. Mon frère, ça c'est une vraie marmailleuse. Marmailleuse, elle est une vraie manipulatrice. Quand elle vient là, elle commence en disant mon frère chéri. Ça là, c'est qu'elle est venue demander quelque chose. Non, femme. Oh. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je reçois l'onction de faveur. Hey, l'onction de faveur, je ne donne pas tous les détails, prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Seigneur, que notre voix soit ointe. Seigneur, oint ma voix d'autorité. Investis-nous d'une autorité divine supérieure. Alléluia. Mets de l'autorité dans ma voix. Mets de l'autorité dans la voix de tes enfants. Combien de fois tes enfants vont demander des papiers, on ne leur donne pas. Ils demandent travail, même on les chasse. Il demande travail, même on les chasse. Seigneur, mets l'autorité dans notre voix. Que cette voix soit douce, soit perçante, convaincante, puissante. Mets la puissance dans ma langue. Amen, 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 amen. Je vais préciser quelque chose. Cette prière-là, ça ne marche pas pour les gens qui aiment Congo ça. Parce que pour que ta langue ait de la puissance, tu dois savoir ce que tu fais. Cette parole-là, je précise, parce que ne vous trompez pas, je précise avant qu'on avance. Pour celles qui prennent leur bouche pour faire des bêtises, ça ne marche pas, ça. Hein? Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'elle donne une prière, vous avez dit, homme de Dieu, j'ai prié, ça ne marche pas. Moi, je précise, si ta bouche-là, c'est devenu qu'à niveau de quelqu'un, ça ne marche pas. Si ta bouche-là, tu aimes papatoya, bouche qui critique langue, parce que Dieu ne peut pas mettre puissance dans la bouche comme ça, là. Tu vas détruire les gens avec ça. Toi là qui critique, toi là qui parle des gens là, toi ta bouche qui rentre partout là, Dieu ne peut pas mettre dedans, jamais. Tu vas aller, tu vas aller blesser, tu vas aller blesser en face de quelqu'un là-bas. Donc pardon, si tu veux faire, tu veux demander parole comme ça là, il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui là, il n'y a plus Congo ça ou autre. Je précise, parce que ce que tu es en train de demander à Dieu, il va faire. Il ne faut pas aller détruire en face des gens là-bas. Tu es prêt, on va commencer. Prions dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, mets ta puissance dans notre bouche. Seigneur, ouvre notre bouche dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, qu'il y ait la puissance dans ma bouche. Ton onction dans ma bouche. Au nom puissant de Jésus.
Seigneur, donne maintenant l'autorité, ouin ma bouche de ta puissance au nom de Jésus. Oui, Seigneur, ouin-moi d'une onction spéciale qui attire les bonnes personnes et qui repousse les mauvaises personnes. Seigneur, enveloppe-moi. Seigneur, enveloppe-moi. Seigneur, enveloppe-moi d'une onction spéciale. Que mes mains soient ointes. Mon corps, désormais, mon corps reçoit l'onction, la puissance au nom de Jésus. Seigneur, ouin-moi. Oui, Seigneur, là où l'ennemi dit que tout ce que je dis va agacer les gens, là où l'ennemi a mis de l'énergie négative, de l'envoûtement, de l'ensorcellement, oui, Seigneur, là où ils ont mis des champs magnétiques autour de moi, Seigneur, maintenant qu'il y ait la puissance autour de moi, qu'il y ait la puissance qui attire la faveur. Seigneur, où est mon corps? Où est mon corps? Investis-moi de ton autorité. L'autorité qui attire, l'onction qui attire. Oui, Seigneur, l'onction, l'autorité. Investis-moi de ton onction de faveur, de grâce, de prospérité, pour que j'avance, pour que j'avance. Seigneur, investis-moi maintenant. Que ma langue soit ointe. Que ma langue soit ointe. Que ma langue soit ointe. Que les paroles de ma bouche soient plaisantes, convaincantes et remplies d'onction. Que les paroles de ma bouche soient plaisantes, convaincantes, remplies d'onction. Je reçois la puissance, je reçois l'onction, je reçois l'autorité. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois l'autorité. Seigneur, mets la puissance dans ma bouche comme tu l'as fait. Seigneur, touche ma langue aujourd'hui. Seigneur, touche ma langue aujourd'hui. Seigneur, touche ma langue aujourd'hui pour guérir. Pour délivrer, donne-moi, Seigneur. Oui, Seigneur, où est mon code vocal? Ma voix de ta puissance. Ma voix de ta puissance. Ma voix de la puissance. Que ma voix soit insupportable pour les sorciers. Que ma voix soit insupportable pour les démons. Que ma voix soit insupportable pour les sorciers. Que ma voix soit insupportable pour les démons. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, que ma voix soit insupportable. Que ma voix soit insupportable. Que ma voix soit insupportable pour les sorciers, pour les mystiques, pour les démons. Oh oui, Seigneur, qu'à ma voix les démons fuient. Qu'à ma voix, 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 les démons s'en aillent. Les démons s'en aillent. Les sorciers s'éloignent. Oui, Seigneur, ma voix au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, mets l'onction, la puissance dans ma voix. L'autorité, la voix, la bonté au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ma voix, 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 ma voix. J'invoque la voix, la puissance dans ma voix. L'onction d'autorité. Je reçois la puissance divine. La puissance de délivrance. La puissance de délivrance. La puissance d'autorité. Je reçois la force. La puissance dans ma voix. 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 Oh Seigneur, enveloppe-moi d'une puissance. La puissance, l'onction de puissance, l'onction de puissance. La voix, une voix onctionnée, une voix ointe. Seigneur, où est ma voix? Seigneur, où est ma gorge? Seigneur, où est mon code vocal? Où est moi? Où est moi? Où est moi? Où est moi? Je déclare une onction de faveur, une onction de prospérité. Je reçois la faveur, la puissance, l'autorité, la faveur, la puissance, l'autorité, la faveur, la puissance. Que ma voix pousse les gens à se convertir. Que ma voix délivre. Que ma voix restaure. Que ma voix soit remplie d'autorité. D'autorité, de puissance, de faveur, d'onction. Au nom de Jésus. Enveloppe mon corps de ta puissance qui attire. Ta puissance qui attire le bonheur, qui attire la faveur. Ta puissance, je reçois ta puissance. Enveloppe-moi de ton onction. Avoir ma voix, mon image. Travaille, travaille, travaille mon image. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, as-tu déjà vu quelqu'un dans la vie, as-tu déjà rencontré quelqu'un que tu n'arrives pas à oublier? Première rencontre, mais tu n'arrives pas à l'oublier. Un ami, hein, qui a même envie d'aller retourner là-bas même pour retrouver la personne encore. La puissance. La puissance de l'image. Vous voyez, vous jouez avec votre image. Aujourd'hui, on met nos photos sur Internet sans réfléchir, même si on n'a pas une bonne vie de prière. L'image. À partir de l'image, on peut capturer ton âme. C'est pour ça que vous allez remarquer que certaines personnes n'aiment pas faire photo.
Et quand on prend ta photo pour aller travailler sur un hôtel, ta vie est foutue, non? Ils ont pris quoi? Ton image. Si ton image n'a pas d'influence, ma soeur, tu ne peux pas évoluer. Tu vas quelque part, mais on ne te remarque même pas. On ne te remarque pas parce que ton image a été spirituellement travaillée. Mais à des gens, leur présence donne la joie, leur présence donne le réconfort. L'image seulement. On peut te faire voir les photos des gens. Ça, je ne connais pas. Ça, je ne connais pas. Mais telle personne, quand tu vois la photo, ça te donne du sourire. La personne n'est pas là. Hein? Tu entends le nom seulement, ton cœur est ouvert. Tu entends sa voix seulement au téléphone. C'est comme ça, certains gens vous ont eu au téléphone. Voix douce, chic. Ça pénétrait ton cœur comme ça. Tu vas dire à Dieu vraiment, Seigneur, si mon image a été travaillée dans le monde occulte pour que je passe inaperçu, que le voile et les rituels qui ont été effectués sur mon âme, sur ma personne, soient annulés. Maintenant que nous sommes à combien de temps de la prière? 3h23. On va faire les dernières prières et puis on va se séparer. Maintenant, bien aimé, tu vas dire à Dieu vraiment, là où ils ont travaillé mon identité, travailler mon image pour que je passe inaperçu. Alléluia. Pour que je ne dise rien à personne, je détruis tous les rituels qui ont été faits pour me voiler. Prions dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, là où ils ont travaillé ma personne, là où ils ont travaillé mon image, là où ils ont travaillé mon nom, là où ils m'ont travaillé pour que je sois rejeté, pour que ton mari te rejette, pour que tu ne lui dises rien, nous détruisons cela au nom de Jésus. L'envoûtement à partir de mon apparence, là où ils ont envoûté mon apparence, envoûté mon image, envoûté mon apparence, envoûté mon image, oh Seigneur, je détruis tout ce qu'ils ont fait avec mon image, tout ce qu'ils ont fait avec l'image de mes photos, l'image de mes biens, l'image de ma maison, l'image de ma voiture, tout ce qu'ils ont fait avec l'image, avec les empreintes, avec l'image, avec mes empreintes, je détruis tout au nom de Jésus. J'ai détruit tout ce qu'ils ont fait avec mon image, avec mes vidéos, avec mes photos, avec mes affaires. J'ai détruit tout ce qu'ils ont fait avec mon image. La manipulation sur mon image, les rituels sur mon image, les incantations sur mon image. J'ai détruit tout ce qu'ils ont fait pour travailler, les images, mes rêves, tout ce qu'ils ont fait pour me travailler. J'ai détruit les images, j'ai détruit les images, j'ai détruit tout ce qu'ils ont fait au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait pour me représenter. 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 Mon image. Tout ce qu'ils ont fait pour détruire ma vie. Toute image ayant été utilisée. Je détruis tout au nom de Jésus. Je détruis tout ce par quoi mon image a été souillée. Je détruis tout ce par quoi mon image a été souillée. Je détruis. Je détruis. Je détruis les incantations, les rituels, les imprécations, les malédictions, les injures sur mon image pour dire que je serai toujours, je serai toujours, je serai toujours, je serai toujours rejeté. Je détruis toute image, tout voile sur mon image, sur ma personne, tout ensorcellement. C'est l'image de Maman Véro, c'est l'image de Destiny, c'est l'image de mes enfants. Je détruis au nom de Jésus. Là où ils sont allés salir mon image, là où ils sont allés salir ma réputation, là où ils sont allés salir mon image, je détruis tout ce qu'ils sont en train de faire pour salir mon image. Je détruis au nom de Jésus tout ce qu'ils sont en train de faire pour salir mon image, pour salir ma personne, pour salir ma réputation. Je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis tout ce de mon image, de ma personne, de mes livres, de mes affaires, de mes réalisations. Je détruis les critiques pour me dénigrer, les critiques pour souiller mon image. Je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis tout ce qu'ils ont fait avec mon nom, tout ce qu'ils ont fait avec ma vie, les images. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis aussi les fausses images que le diable a introduites à moi. Les fausses images par les rêves, les fausses images par les rêves. Je détruis les fausses images et les faux rêves, les fausses images et les faux rêves, les fausses images et les faux rêves. Je détruis tout nom maléfique qui m'a été donné. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis, je détruis, je détruis tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait,
toute odeur soit lavée. La malformation, la malformation, la malformation, la malformation, la malformation. Je détruis tout. Je détruis au nom de Jésus. Toute image maléfique, toute apparence qui m'a été donnée, toute fausse apparence, toute image diabolique qui a été donnée, je détruis au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimé, fais-tu partie de ces personnes? Dehors, on peut t'apprécier. Mais il y a une catégorie de personnes qui ne t'apprécient pas. Est-ce que tu fais partie de ces personnes? Dans la maison, ceux de qui tu cherches l'amour te regardent avec dédain, ne voient aucune qualité. Mais dehors, il y a des gens qui sont prêts à tout payer pour t'avoir. Réma choquant, hein? Est-ce que tu fais partie de ces personnes que leur entourage ne valorise même pas? Mais au dehors, toi aussi tu as quelqu'un qui pleure pour toi, qui te supplie, même te demande pardon. Alors que c'est lui-même que tu aurais aimé qui te demande pardon, mais celle-même de qui tu aurais aimé avoir le respect. Rien. Dans la même maison, mais on te regarde, on te traite, on dirait une poubelle. Tout ce que tu dis énerve, tout ce que tu fais, ta présence agace. Même dans ton fauteuil, tu vas faire exprès pour aller te coller un peu. Ah, faut pousser là-bas. Ah. Alors que quelque part, dehors, il y a quelqu'un qui est prêt à te prendre dans tes bras et qui se dit, si seulement je pouvais le serrer un peu dans mon bras, si seulement je pouvais la serrer un peu. Mais dans ta maison, là, tu dis, hé, pousser là-bas. Tu veux que tu donnes le réma? Le réma. Ça, c'est le réma. Ça, c'est quand les gens ont été manipulés pour ne jamais t'aimer. Quand les cœurs ont été endurcis. En fait, parfois, ce n'est pas toi qu'on manipule. Ce sont les gens qu'on manipule. Parce que si c'était toi qu'on manipulait, la façon dont tu es rejeté à la maison, on doit te rejeter dehors. Mais si tu es dans le cas de quelqu'un, tu sens qu'à la maison, là-bas, c'est la négligence, on ne ressent plus rien pour toi, on ne t'accorde plus de rien, on ne te respecte plus et autres. Mais dehors, tu as l'impression que tu es vraiment considéré. C'est que tu es dans le cas des gens dont l'entourage a été travaillé pour être rejeté. Voilà, réma choquant. Dieu est bon, hein? Tu vas dire à Dieu vraiment. Délivre toutes ces personnes que j'estime. Toutes ces personnes de qui j'attends de l'amour, de l'affection. Mais qui ont été travaillées, manipulées et influencées pour me rejeter. Seigneur, délivre-les au nom puissant de Jésus. Ces personnes-là, toutes ces personnes que j'admire, tous mes proches qui ont été travaillés, prions dans le nom de Jésus, tout individu qui a été travaillé et converti en ennemi, qui a été influencé, manipulé pour devenir mon ennemi. Seigneur, délivre-les au nom de Jésus. Tout cœur qui a été détourné, tout pensée qui a été détournée de moi, Seigneur, libère ces pensées au nom de Jésus. Ces personnes qui ont été manipulées et retournées contre moi, soient délivrées. Seigneur, délivre toute personne, toute amie, toute connaissance, toute personne, même dans ma maison, qui a été manipulée, qui a été influencée, envoûtée et retournée contre moi. Tout envoûtement, toute manipulation, toute influence du monde des ténèbres, sur mes proches, sur mes enfants, sur mes amis, pour les retourner contre moi. Oui, Seigneur. Seigneur, tout ce qui a été fait pour que je ne trouve plus grâce aux yeux des gens, je détruis tout ce qui a été fait pour que je ne trouve plus grâce. Tout ce qui a été fait pour que je ne trouve plus faveur. Tout ce qui a été fait pour que je ne il n'y ait plus d'amour dans mon mariage. Je détruis tout au nom de Jésus. Je brise l'envoûtement. Je brise l'ensorcellement. Je brise la malédiction. Tout ce qui a été fait. Les envoûtements. Nous détruisons tout ce qui a été fait. Nous détruisons tout ce qui a été fait au nom de Jésus. Nous détruisons tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Nous les détruisons, nous les cassons, nous les annulons, nous les supprimons, nous les brisons au nom puissant de Jésus. Nous détruisons tout ce qui a été fait. Les gens qui ont été travaillés, qui ont été retournés, tous ceux-là qui ont été manipulés, qui ont reçu les ordres de me combattre.
Toute personne avec qui j'ai vie, mais qui a reçu l'ordre de mes combats, soit délivrée. Tous mes proches qui ont reçu l'ordre de me combattre, toutes ces personnes qui ont été programmées pour me combattre, qui ont été manipulées pour me combattre, qui ont été influencées pour me combattre, j'ai détruit. Toute personne qui a été manipulée pour me maltraiter, pour me faire souffrir, soit délivrée. Seigneur, délivre le cœur, délivre les pensées. Seigneur, délivre le cœur. Seigneur, délivre mes pensées. Délivre le cœur, délivre les pensées, 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 délivre le cœur de toute personne qui a été travaillée pour me rejeter. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimé, si tu ne profites pas de cette prière, je ne sais pas de quelle autre prière tu vas profiter. Ce que je vous dis est vrai. J'ai été obligé d'arrêter pour mettre des points sur les i. Si vous ne voulez pas prier, dites-moi, je vais arrêter la vidéo. Mes frères et sœurs, ce que je dis est vrai ou faux? Y a-t-il pas quelqu'un qui a été très méchant avec toi, mais lorsque tu lui as posé la question de savoir pourquoi tu me fais ça, je ne sais pas. Tu m'énerves, un point c'est tout. Tu m'énerves, tu me laisses en paix. Fous-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Tu m'encombres, tu m'agaces. Tu m'empêches de respirer. Pourtant, au départ, quand il y avait la puissance de l'amour, ce n'était pas le même discours. Hein? Et quand le diable détruit des vies, il est capable d'influencer quelqu'un et de le retourner contre toi. Et ce qui est mauvais, c'est que les femmes qui sont sensibles là, elles sont très facilement envoûtables. Regardez tous ces couples en conflit. Demandez à la femme pourquoi ton mari t'énerve. Elle ne saura même pas te le dire. Pourtant, elle aime son mari. Et en même temps, elle s'énerve vite quand ce gars-là lui parle. Et parfois, elle est en colère jusqu'à son cœur lui fait mal. Ce que je vous enseigne là, c'est la vérité des choses qui vous ont longtemps été cachées. Vous avez vécu sans le comprendre. On vous donne l'opportunité de prier, il faut saisir l'opportunité. Vous cherchez le numéro de téléphone, vous pouvez me raconter votre vie, pourquoi. J'en ai pas besoin. Tu vas dire à Dieu. Peut-être que j'ai été en conflit avec des gens que j'ai pris pour mes ennemis, alors que ce ne sont pas des ennemis. Ce sont juste des gens qui ont été influencés, qui ont été manipulés, qui ont été travaillés dans le monde des ténèbres pour que nous soyons totalement en désaccord. Tu vas dire à Dieu, toute personne qui pourtant peut m'aider, mais qui a été manipulée et transformée en mon ennemi pour me rejeter et pour ne ressentir aucune compassion envers moi, que cette personne soit délivrée aujourd'hui. Prions. Oui Seigneur, toute personne qui peut pourtant m'aider et dont le cœur a été manipulé, endurci, que cette personne soit délivrée. Toute personne qui peut pourtant m'aider et dont le cœur a été endurci, influencé. Toute personne que tu as placée, dont le cœur a été endurci, pour n'avoir aucune compassion envers moi, pour n'avoir aucune pitié envers moi, je brise toute pierre dans son cœur. Bien, si c'est ton mari, il faut dire ton mari. Si c'est ta femme, il faut dire ma femme. Il faut dire oui. Là où ils ont endurci le cœur de ma femme, là où ils ont endurci le cœur de mon mari, pour la retourner contre moi, pour la manipuler contre moi, pour nous diviser, je détruis tout. Je détruis toute mauvaise image qu'ils lui ont donnée de moi. Toute mauvaise image qu'ils nous ont donnée l'un de l'autre. Toute mauvaise image, les jugements, ils nous ont travaillé. S'ils nous ont travaillé pour qu'on se juge, pour qu'on s'accuse, pour qu'on se repose, j'ai détruit les pierres, les paroles qui ont été programmées dans nos cœurs, les paroles dans nos bouches, les paroles dans nos cœurs, les paroles dans nos bouches, je les détruis au nom de Jésus. Nous détruisons les paroles, nous détruisons les voix, nous détruisons tout ce par quoi l'ennemi veut détruire ma vie.
Seigneur, que tous les cœurs qui ont été endurcis contre moi soient retouchés, soient inclinés à ma faveur. Toute personne qui peut pourtant m'aider, mais qui a été endurcie, tout bienfaiteur, oui Seigneur, nous détruisons. Que ce soit des membres du gouvernement, même les 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 membres du gouvernement, au nom de Jésus. Nous détruisons maintenant, nous détruisons tout ce que l'ennemi a fait, nous détruisons tout ce qui a été fait pour endurcir les cœurs contre nous. Où que nous allions, nous détruisons les envoûtements, nous détruisons les décrets, les paroles, les jugements, les décrets, les paroles, les jugements, les décrets, les paroles, les malédictions, nous les détruisons. Nous détruisons toute malédiction qui me suit partout, tout esprit qui me suit partout, nous détruisons toute malédiction, toute poisse. Au nom de Jésus. Amen. 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 On est à huis clos maintenant. Ils vont pleurer. Ils vont commencer à appeler Jésus partout. C'est un secret trop puissant. On est en train de prier, ils écrivent. Donc je les ai congédiés. Oui, bien aimé, c'est le secret, c'est la parole. Regardez ce que quelqu'un dit contre toi. Ce que quelqu'un dit contre toi et aujourd'hui tu es en train de souffrir. Il travaille. Et dans la même maison, tu n'as plus de valeur. Tu es devenu comme dégoûtant. Une femme qui menace toujours son mari de divorce, alors qu'elle aime. C'est comme si cette parole a été programmée dans ta bouche pour que tu la dises tous les jours. Un homme qui est en présence de sa femme et qui ne ressent rien pour elle. Pourtant, il aime. Et là, quand ils vont regarder, au moment où tu te rends compte qu'il y a des bénédictions qui arrivent, là, tous les sentiments qui vous ont volés vont aller les réactiver. Tac, 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 tac. Et puis ton copain ou ton mari et toi, vous recommencez à vous aimer comme des fous. Ils sont capables d'aller prendre un gars, te connecter au gars, de renforcer l'amour. Et vous devenez tous deux comme des fous, attachés au téléphone pendant des années. Et tu ne sais même pas ce qui te prend. Au moment où le temps de bénédiction va passer, ils viennent, ils déconnectent tout. Et quand ils ont détaillé, ils doivent te connecter. Et puis tu te dis, mais attends, moi j'ai fait quoi dans cette affaire-là? Qu'est-ce qui même m'a poussé, même à aller venir, même taper 8 ans dans cette relation-là même? Tu ne vois même pas. Donc, même un jour, même tu te dis, mais c'est quoi même? Il y a des femmes même qui sont même allées jusqu'à coucher avec des hommes et après ils ont commencé à regretter, pleurer. Il y a même des hommes même qui ont couché avec des femmes et ils ne savent même pas pourquoi ils ont couché avec elles. Et puis après, la femme, là, même quand ils voient sa tête, elle émerge. Tu vas dire, magnétiser les gens, manipuler les gens. Tu vas dire à Dieu désormais, je prophétise qu'en tout lieu où je vais passer, je serai aimé. J'invoque la faveur sur ma vie, la grâce, que ma voix soit agréable. Bien aimé, toi qui prie maintenant, prie avec moi maintenant, que ma voix soit agréable aux yeux de mes proches. Que mon image soit agréable, que ma voix soit agréable. Seigneur, mets une onction dans mon image. Mets une onction, mets une voix, mets une onction, mets une voix, mets une onction, mets une voix, mets une onction, mets une voix. Que la puissance au nom de Jésus. Je déclare que désormais, ma voix sera entendue, respectée. Je reprends l'autorité, je reprends l'onction. Que ma voix, mon corps, mon esprit, au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait pour m'enlever le goût de la vie soit détruit. Tout ce qu'ils ont fait pour m'enlever le goût de la vie, le goût de la vie, le goût de la vie, pour que je passe une vie misérable, j'ai détruit tout. Je reçois la puissance dans ma voix. J'invoque la puissance dans ma voix, la puissance dans ma voix, la puissance dans ma voix, la puissance dans ma voix. Je reçois l'onction, je reçois l'autorité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Oui, Seigneur. Ma voix. Que ma voix donne du bien. Que ma voix soit agréable. Désormais, je reçois la puissance. Oh, tout mot qui sort de ma bouche. Oui, Seigneur. Enveloppe-moi d'une autorité. Enveloppe-moi d'une onction spéciale. Seigneur, enveloppe-moi. Seigneur, enveloppe-moi. Seigneur, enveloppe-moi. Enveloppe mes biens. Enveloppe mes réalisations. Que la faveur soit dans mes réalisations. Que la faveur soit dans mon corps. La faveur, mon apparence, mon image, ma personne. Là où on m'avait voilé. Là où on m'avait voilé. Au nom de Jésus. J'invoque maintenant la faveur sur mon corps. Seigneur, lave-moi. Seigneur, nettoie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Qu'il y ait une onction de faveur au nom de Jésus. Qu'il y ait une onction de faveur. 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 Au nom puissant de Jésus. Qu'il y ait une onction de faveur. Qu'il y ait une onction de faveur. Qu'il y ait une onction de faveur. Qu'il y ait une onction d'autorité. Qu'il y ait une onction de faveur. Qu'il y ait une onction de faveur. Au nom puissant de Jésus. 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 Qu'il y ait une onction dans ma voix. Qu'il y ait une onction d'autorité. Qu'il y ait une onction dans ma voix. Au nom puissant de Jésus. Je reçois l'onction. Je reçois la faveur. Au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait pour que ma voix soit agaçante, soit annulée. Oui, Seigneur. Toute raison pour laquelle tout ce que j'ai dit énerve les gens. Toute raison pour laquelle tout ce que j'ai dit énerve. Tout ce que j'ai dit agace. L'onction de rejet soit ôtée de ma voix. Tout ce qu'ils m'ont fait manger en rêve, soit annulé. Tout ce qu'ils ont mis sur moi, soit annulé. Tout ce qu'ils ont mis sur moi, soit annulé. Les odeurs, les excréments, les poubelles, les choses, les urines, nous détruisons. Le pouvoir de l'urine, le pouvoir de l'urine, le pouvoir de l'urine, le pouvoir de l'urine, nous détruisons. Que tout pouvoir à la base des envoûtements par urine, les envoûtements par urine, nous les détruisons. Seigneur, mets de l'onction dans ma voix. Seigneur, mets ton onction 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 dans ma voix. Seigneur, mets l'onction. 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 Mets l'onction dans ma voix. Mets l'onction dans ma voix. Oh, désormais qui est l'autorité dans ma voix. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. À ma voix, tout genou fléchira. À ma voix, tout genou fléchira. À ma voix, tout genou fléchira. Au nom de Jésus. À ma voix, tout genou fléchira. À ma voix, tout genou fléchira. Tout ce qu'ils ont fait, point endurci les cœurs. Point endurci les cœurs. Point endurci les cœurs. Tout ce qu'ils ont fait, point endurci les cœurs. Tout ce qu'ils ont fait pour me cacher. Pour me voiler, pour me cacher, pour me voiler, pour me cacher, pour me voiler. Tout ce qu'ils ont fait pour me cacher, pour me voiler, pour me cacher, pour me voiler, soit détruit au nom de Jésus. Seigneur, maintenant que je sois visible, que le voile soit levé, que le voile, tout ce qu'ils ont fait pour magnétiser, pour travailler les yeux de mes proches, les yeux de mes proches. Oui, Seigneur, tout ce qu'ils ont fait pour que mes proches ne voient en moi que les défauts, que les erreurs, que les accusations, que les soupçons. Nous détruisons tout ce qu'ils ont fait pour que les gens ne voient pas mes qualités. Nous détruisons tout ce qu'ils ont fait pour voiler nos qualités, tout ce qu'ils ont fait pour voiler nos livres, tout ce qu'ils ont fait pour voiler mon travail, tout ce qu'ils ont fait pour me voiler. Je détruis au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je reçois la faveur, je reçois la grâce. Je reçois la puissance, je reçois la faveur, la puissance, la faveur, la grâce, je reçois la faveur, la grâce, la puissance, je reçois la faveur, la grâce, la puissance, je reçois la faveur, la grâce, la puissance, au nom de Jésus. Seigneur, mets ton onction sur ma vie. Je veux ton onction, je veux ton onction, je veux ton onction, je veux ton onction, je veux ton onction. Je veux ton onction, 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 je veux ton onction. Seigneur, donne-moi ta puissance pour faire ton œuvre. 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 Seigneur, donne-moi l'onction. La puissance pour soumettre tous les genoux. La puissance. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Seigneur, donne-moi ton onction.
Donne-moi ton autorité. Donne-moi ta puissance. Oh oui, Seigneur. J'invoque sur moi la faveur, la grâce, la puissance, la faveur, la grâce, ta puissance, la faveur. J'invoque au nom de Jésus. Je trouverai faveur et grâce aux yeux de tout le monde. La faveur et grâce aux yeux de tout le monde. Au nom de Jésus. 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 Que mon image trouve faveur. Que ma voix trouve faveur. Que mon nom trouve faveur. Seigneur, augmente la puissance. Ma voix trouvera faveur. Oh Seigneur, mets la puissance dans ma voix. La puissance, la puissance, la puissance dans ma voix. La puissance au nom de Jésus. La puissance dans ma voix. Seigneur, mets 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 la puissance dans mon âme. J'invoque la puissance dans mon image, dans l'image de mes livres, dans le titre de mes livres, dans les choses que je réalise pour le Seigneur, dans mon église. La puissance, dans le nom de mon église, j'invoque la puissance. La puissance maintenant, dans mon don. Dans ma personne, la puissance sur ma femme, la puissance sur mes enfants, la puissance, je reçois la puissance aujourd'hui. Je prophétise que je reçois la puissance pour trouver faveur. J'invoque sur moi la puissance. J'invoque. Esprit de Dieu vient des quatre vents. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Que ma voix trouve faveur. Que mon nom trouve faveur. Que ma personne trouve faveur. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je trouverai faveur aux yeux de tout le monde. Je reçois la puissance, je reçois la faveur, je reçois la grâce, je reçois la puissance, je reçois la faveur, je reçois la grâce, je reçois la puissance, je reçois la faveur, je reçois la grâce, je reçois la faveur, je reçois l'autorité. Oh oui Seigneur, que mon image ait de l'autorité. Je reçois l'autorité, mon image, ma personne, pour faire l'œuvre de Dieu. Oui Seigneur, l'autorité dans ma voix, l'autorité dans ma voix, l'autorité dans ma voix, la puissance dans ma voix. Je suis investi. Je suis investi d'une autorité divine. Je suis investi de l'esprit de vie. Esprit de vie vient des quatre vents et souffle sur moi. Esprit de vie vient des quatre vents et souffle sur moi. Esprit de vie vient des quatre vents et souffle sur moi. Esprit de vie vient. Esprit de santé vient. Mon corps reçoit la puissance. Ma voix, mon image, ma personne, mon travail. Ma voix, mon image, ma personne, mon travail. Ma voix, mon image, ma personne, mon travail. Reçois la faveur, la faveur, la faveur. Ma voix trouvera faveur. Mon travail trouvera faveur. Le fruit de mes mains, le fruit de mes mains sera accepté à travers le monde entier. Le fruit de mes mains, mon ministère sera connu partout dans le monde. Le ministère océan des grâces partout dans le monde. Le ministère océan des grâces jusqu'aux extrémités de la terre. Le ministère océan des grâces. 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 Seigneur, mets ta puissance. Seigneur, mets ta puissance. Je reçois la faveur et la grâce. La faveur et la grâce au nom de Jésus. Que je trouve grâce et faveur. Que je trouve faveur et grâce. Je reçois l'onction. Je reçois l'onction. Les arômes. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Désormais, Seigneur, investis sur nous ta puissance. Vous avez appris dans la Bible que lorsque Esther allait devant le roi, elle avait pris des parfums de pommes vertes. Elle avait pris des aromates. Elle avait pris des huiles d'agar. Qu'est-ce que l'huile d'agar aujourd'hui? Ce sont les différentes paroles. Les différentes paroles pour attirer sur vous tout ce que vous voulez. Les paroles de faveur. Les paroles d'autorité. Les paroles de grâce. Les paroles de prospérité. Donc, durant la prière, ce que tu demandes, c'est ce qui se manifeste. Même si quelqu'un est en colère, il faut dire, Seigneur, fais qu'il se calme. Seigneur, fais qu'il se calme. Tu vas voir qu'au bout de quelques temps, la personne se calme. Parfois, même, tu passes
tu es en colère, tu dis, Seigneur, vraiment, que je me calme. Et puis au bout de quelque temps, tu oublies. Tu vas demander à Dieu de te faire trouver faveur et grâce en tout lieu et en tout temps, même devant ton patron. Que la faveur et la grâce maintenant descendent sur toi. Seigneur, j'invoque la faveur et la grâce sur moi, sur l'œuvre de mes mains, sur mon ministère. Seigneur, que je baigne dans l'heure. Seigneur, ouins-moi de ton huile de faveur, ouins-moi de ton huile de grâce, ouins-moi de ton huile d'autorité. Seigneur, ouins-moi, Seigneur, ouins ma femme, mes enfants, Seigneur, ouins nos enfants, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie au nom de Jésus. Seigneur, ouins-moi de ton huile, ouins-moi de l'huile d'agar, ouins-moi de l'huile de faveur. Seigneur, ouins-moi dans le nom de Jésus. Seigneur, ouins-moi de la terre jusqu'aux orteils. Seigneur, oui, que désormais maintenant, j'attire les faveurs, que je reçois la puissance, que je reçoive la puissance. Seigneur, ouins-moi. Seigneur, ouins-moi. Seigneur, ouins ma famille. Seigneur, ouins-nous. J'invoque la faveur, la grâce. Je prophétise que je trouverai faveur et grâce en tout lieu, en tout temps. Mes réalisations trouveront faveur et grâce en tout lieu, en tout temps. Ma personne trouvera faveur et grâce en tout lieu et en tout temps, même devant les autorités. Je reçois l'onction d'autorité, l'onction d'élévation. Je reçois l'onction d'élévation. Je reçois l'onction d'élévation. Je reçois l'onction. Seigneur, où est ma femme? Où est mes enfants? Où est ma maison? Où est le fruit de mes lèvres? Où est mon travail? Où est mon travail? Où est mes livres? Où est mes réalisations? De ton onction de faveur. Je reçois l'onction des faveurs. Je reçois l'onction des faveurs. Oui, Seigneur, je reçois. Oui, Seigneur, je reçois. Seigneur, où est la sœur Charlène? Seigneur, où est Véronique? Seigneur, où est Denova, Evana, Alice? Seigneur, où est tout le monde? Seigneur, où est tout le monde? Seigneur, où est Dariel? Seigneur, où est Dariel? De l'onction des faveurs. Seigneur, où est tout le monde? Seigneur, où est mes frères et sœurs? Seigneur, où est Dariel? Seigneur, où est maintenant? Seigneur, où est Denova, Evana, Alice? Seigneur, où est Eva? Seigneur, où est tout le monde? Seigneur, où est moi? Seigneur, où est moi? Seigneur, où est moi? Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les portes du monde entier me soient ouvertes aujourd'hui. Que les portes me soient ouvertes aujourd'hui. Oh Seigneur, où est moi? Que tous les cœurs fléchissent. Que tous les cœurs m'acceptent. Que tous les cœurs à travers le monde m'acceptent. Seigneur, où est moi? Seigneur, où est moi? Que tous les cœurs acceptent mon travail. Seigneur, où est moi? 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 Que tout le monde me fasse confiance. Que je sois respecté. Que tu en sois récusé. Seigneur, où est moi? Seigneur, relève-moi. Au niveau que tu as prévu. Seigneur, relève-moi. Seigneur, relève-moi. Seigneur, relève-moi. Seigneur, relève-moi. Seigneur, relève-moi. Seigneur, relève-moi. J'invoque sur moi la faveur et la grâce. La faveur et la grâce. Je reçois l'onction pour avoir accès aux grands. Je reçois l'onction de connexion aux grands. Je reçois l'onction. 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 Je reçois l'onction des prophéties. Je reçois l'onction des prophéties. Je reçois l'onction des prospérités prophétiques. Je reçois l'onction des restaurations. Je reçois, 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 je reçois l'onction pour posséder ce que Dieu m'a donné. Je reçois l'onction pour posséder ma place. Je reçois l'onction pour possession. Je reçois l'onction pour posséder mes bénédictions. Je reçois l'onction pour être béni. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. J'invoque sur moi la faveur. J'invoque sur moi l'onction d'autorité. J'invoque. J'invoque au nom puissant de Jésus. Que tout genou fléchisse au son de ma voix, au son de ma voix, au son de ma voix, que tout genou fléchisse, au son de ma voix, que tout genou fléchisse, au son de ma voix, que tout genou fléchisse, au son de ma voix, que tout genou fléchisse, au son de ma voix, que tout genou fléchisse. Seigneur, donne-moi l'autorité maintenant. Donne-moi l'autorité et le pouvoir. Donne-moi l'autorité et le pouvoir. Seigneur, établis-moi maintenant. Donne-moi l'autorité et le pouvoir. 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 Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi l'autorité et le pouvoir. Seigneur, donne-moi l'autorité et le pouvoir. Seigneur, donne-moi l'autorité et le pouvoir. Seigneur, donne-moi
l'autorité et le pouvoir. Seigneur, donne-moi l'autorité et le pouvoir, en tout lieu et en tout temps. Mon corps soit rempli d'autorité, d'onction, mes livres, mes affaires, mes réalisations, mes projets, ma maison, ma vie, ma personne, mon image. Donne-moi l'autorité. Je veux cette onction par la puissance de Dieu. Je veux cette onction dans ma voix, dans mon image, dans mon apparence, dans mon identité, ma personne, mon nom complet. L'autorité, la puissance soit dans mon nom. La puissance pour attirer la faveur. Oh, nom de Jésus. Nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas demander à Dieu de te baptiser d'une onction spéciale. Je ne sais pas ce que tu as fait de mal ou ce qu'ils ont fait contre toi. Même un bonjour, ton mari se sent énervé. C'est un envoûtement. C'est une manipulation. Désormais, tu connais le secret. Tu n'as même pas besoin d'aller dire à quelqu'un, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? C'est lui-même qui va venir te dire, chérie, pourquoi tu es silencieuse? Il va commencer à porter un regard différent. Il va commencer à te regarder. Elle va commencer à te considérer. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, là où avant même c'était comme si je devrais forcer les gens pour qu'ils m'aident. Désormais, je ne forcerai plus rien, tout viendra seul. Tu vas demander à Dieu de te baptiser de l'onction de faveur. Dis-lui, Seigneur, baptise-moi de l'onction pour trouver faveur et grâce aux yeux de tout le monde. Seigneur, baptise-moi de l'esprit pour trouver faveur. J'attire en moi la faveur. Je sais que tu es capable de tout me donner. La faveur et la grâce. L'onction de faveur. L'onction de grâce. L'onction de faveur. Oh Seigneur, que mon corps soit rempli d'onction. Que je sois rempli d'une puissance électrique. Une puissance électrique. Une puissance électrique. Une puissance électrique qui va détruire tout démon qui va m'approcher. Désormais, je suis baptisé de l'autorité, de l'onction dans mes mains, dans ma voix, dans mon corps. Je reçois l'onction, je reçois la puissance, je suis baptisé d'une autorité, d'une puissance, d'une onction. Aucun démon ne pourra résister à ma voix. Dès que j'ordonne à un démon, en une seule prise, il part. Lorsque je prie, en un seul ordre, il part. Je reçois une onction surnaturelle. Baptise-moi, Seigneur. Seigneur, baptise-moi maintenant. Baptise-moi d'une puissance surnaturelle. Baptise-moi d'une onction, d'une puissance. Oui, Seigneur, baptise-moi de ton onction d'autorité. Autorité, je reçois l'autorité. Je reçois l'autorité. Je reçois l'autorité dans mes mains, dans mon corps, dans ma voix. Seigneur, investis-moi de ton autorité. Investis-moi de ton autorité. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Baptise l'œuvre de mes mains de ton autorité. J'invoque sur moi le feu, la puissance, la grâce, la faveur, la grâce, la puissance. Je reçois la faveur. Je reçois l'autorité. Je reçois. J'appelle. Les bénédictions, l'autorité, l'onction de faveur. La faveur, j'appelle la faveur sur ma vie. J'appelle la chance. La chance, l'onction, la grâce, la bénédiction. J'appelle la prospérité, l'odeur, le parfum, au nom de Jésus, agréable. J'appelle au nom de Jésus. Oui, Seigneur, que mon corps attire, que ma personne attire, les bonnes personnes, les hautes personnalités. J'appelle dans les quatre coins du monde. Localisez-moi. Moi aussi. Je veux avoir parmi mes amis des présidents, des ministres, des sénateurs. Désormais, j'aurai parmi mes présidents des hauts cadres, des bienfaiteurs. J'aurai maintenant des hauts cadres, des bienfaiteurs, des ministres, des hauts cadres. Désormais, en cette année, je prophétise que j'aurai parmi mes amis des bienfaiteurs. J'aurai
parmi mes amis, des bienfaiteurs, des bienfaiteurs, des bienfaiteurs élevés, des ministres, des sénateurs, des ministres, des sénateurs, dans ce pays, dans ce pays, dans ce pays. Moi aussi, je serai sollicité par des présidents. Moi aussi, je serai sollicité par des ambassadeurs. Moi aussi, je serai sollicité par des hauts cadres. Moi aussi, je serai connecté à des autorités dans les quatre coins du monde, dans les quatre coins du monde, dans les quatre coins du monde. Moi aussi, je suis connecté. Je suis connecté. Je suis connecté. Je reçois la faveur aux yeux de tout ce monde. Je reçois la faveur. La faveur. Au nom de Jésus. Amen. La connexion s'établit. La connexion s'établit. La connexion s'établit. La connexion s'établit. La connexion s'établit maintenant. La connexion s'établit maintenant. Je reçois la faveur et la grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Terminons. Je reçois la faveur et la grâce au nom de Jésus. Je reçois en tout lieu, dans mon travail, dans mes affaires, dans mes prédications. Oh oui, Seigneur, j'attire la connexion. J'attire la faveur. Dans les quatre coins du monde, je déclare qu'il n'y a pas un seul pays du monde où le Seigneur ne me donnera pas la faveur et la grâce. Il n'y a pas un seul pays du monde où je ne trouverai pas l'onction et l'autorité. Je reçois la faveur dans les quatre coins du monde. Dans les quatre coins du monde. Dans les quatre coins du monde. Je reçois la faveur. Je reçois l'intelligence. Je suis baptisé. Je reçois mon baptême. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien aimé, cela fait 4 heures de prière. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, je te confie le monde entier. Tu vas lui dire, Seigneur, je te confie tous les orphelins du monde entier. Je te remercie pour nous avoir exaucés. Tu vas lui dire, Seigneur, je te confie tous les pasteurs du monde. Prions dans le nom de Jésus. Éternel, nous prions que tu te souviennes des églises. Au nom puissant de Jésus. Nous prions que tu nous aides. Au nom de Jésus. Seigneur, tu vois tout ce que l'ennemi a fait. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta vie. Seigneur, je prie maintenant pour le monde entier. Je prie pour les églises du monde entier. Je prie pour le pasteur Jonas. Pour que tu te souviennes au nom de Jésus. Que tous les pasteurs qui ont été bloqués, qui sont attaqués, soient délivrés. Seigneur, protège maintenant Pierre Nyangok et ouvre-lui maintenant les portes au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la sœur Danielle. Je prie pour Bongolo. Je prie pour Eugénie. Je prie pour Isabelle. Je prie pour Hervé. Je prie maintenant pour Mafiamba. Je prie maintenant pour tous ceux qui nous entourent au nom de Jésus. Éternel, nous te demandons de nous entourer. Je prie pour mes frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te demandons de nous orienter, de nous aider, de nous conduire. Seigneur, nous te demandons d'agir. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste ta puissance. 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 Au nom de Jésus.